Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé. Aujourd'hui encore, on se retrouve ici, dans la maison de Dieu. Alors, nous sommes tous une même famille. Donc, il faut dire que si nous sommes un, bien aimé, tu vas regarder ton voisin à gauche, tu vas regarder ton voisin à droite, ta voisine à gauche, ta voisine à droite, devant, derrière, et tu vas entendre ce chant-là, tu vas attraper sa main, tu vas bien serrer au nom de Jésus. Alléluia! Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Maintenant que nous sommes rassemblés au nom de... Ce matin, oh, yes. Et on va entonner encore un chant de remerciement. Tu vas dire merci au Seigneur, mais avant ça, tu vas dire merci, oh merci Jésus, merci, oh merci Jésus, merci, oh merci, oh merci Jésus. Merci, oh, merci, oh, merci. Oh, Jésus, merci, oh. Merci, oh, Jésus. Jésus, merci, oh. Merci, oh, merci, Jésus. Merci, oh, merci, oh.
merci Jésus. Merci, oh merci, oh merci Jésus. Merci, oh merci, oh merci Jésus. Jésus, merci, oh merci, oh Jésus, merci, oh merci, oh. Je te célèbre, je te célèbre, pour ta victoire, pour ta
Invoquer le Saint-Esprit de t'éclairer
afin que tout ce qui est mauvais, tout ce qui est caché, le Saint-Esprit n'a pas de rappeler de tous les mauvais, pour que tu puisses être comme ça seul devant l'Éternel des armées. Alléluia. Alors, donc, tu lèves la voix, invoque l'Esprit Saint, invoque l'Esprit Saint afin de te rappeler. Saint-Esprit, oh, j'ai besoin de toi. À ce que tu viennes, qui vient me rappeler de tout ce qui est mauvais que j'ai eu à faire. Oui, Seigneur, rappelle-moi cet esprit. Rappelle-moi cet esprit. Rappelle-moi cet esprit. Pour tous mes péchés, ce que j'ai fait. Pour tous mes péchés, ce que j'ai oublié. Cet esprit, rappelle-moi. 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 Car je sais que tu es là. Je suis puissance avec toi. Ta puissance est là. De son esprit est présent. Sa puissance est là, et son esprit est puissant. Sa puissance est là, et sa puissance est là, et son esprit est présent. Sa puissance est là, et sa puissance est là, et son esprit est présent. La puissance est là, remplis ma vie de ta présence, de la foi de ta présence. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi ma vie. Je le suis pas à toi. Ta parole, déclare ton bâton, ne savez-vous pas, devant ton corps, pas le temps de Saint-Esprit. Oui, Seigneur, le voici, je ne suis qu'à toi, prends-moi, fais de mon âme consentie, le voici, prends-moi, fais de mon âme consentie, je ne suis qu'à toi seul, à toi seul, Saint-Esprit, j'ai décidé de te suivre, de me donner, entièrement consentant, viens habiter à moi, Saint-Esprit de Dieu, viens à toi. Parce que tu as amour avec toi. Lorsque nous avons prié, oh Jésus, que ton nom soit béni, Saint-Esprit. Pardonne-moi de toutes mes fautes. Bien-aimé, je demande pardon au Seigneur. Le Saint-Esprit de te rappeler. Père éternel, aie pitié de moi.
Aie pitié de moi, car je ne mérite pas. Je ne mérite pas, Seigneur, d'être appelé ton fils. Je ne mérite pas d'être appelé ton serviteur. Aie pitié de moi pour tous mes péchés. Oui, à chaque fois quand je parle, Seigneur, il y a des mauvaises paroles qui sortent de ma bouche. Le plus souvent, lorsque je parle, Seigneur, je me querelle avec mes frères et sœurs. Oh, le plus souvent, lorsque je parle, Seigneur, j'offense mes enfants. Oh, Seigneur, je les insulte. Je les insulte. Les injures sortent de ma bouche. Et sans que je ne me rende compte, Éternel des armées, je te demande pardon pour cela. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Éternel, c'est dans le péché que je suis né. C'est dans le péché que ma mère m'a conçu. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus, pour tout ce qui est mensonge, qui sort facilement de ma bouche. Lorsque souvent, Seigneur, je suis en train de parler à mes frères et sœurs. Seigneur, aie pitié. Aie pitié de moi, Seigneur, pour tout ce qui est mensonge, pour tout ce qui est calomnie, pour tout ce qui est mauvais, pour tout ce qui est pardonne-moi, Seigneur. Jésus, pardonne-moi. Pour tout ce qui est mauvais, oh Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Oh Dieu de moi. Oh Dieu de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Oh Seigneur, ce qui est pire à ta vie, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur. Pour tout ce qui est critique. Critique, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, je t'en supplie. Prends pitié. Je ne mérite pas d'être appelé ton serviteur. Je t'en supplie. Prends pitié. Prends pitié. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Ce qui est mal à tes yeux, Seigneur, je l'ai fait. Prends pitié de moi. Prends pitié de moi, Seigneur. Je ne suis pas digne d'être appelé ton serviteur, oh papa. Je ne suis même pas digne de me servir de mon cheveu, Seigneur, pour leur parler de ta part. Seigneur, regarde la boue dans laquelle je me trouve. Regarde la souille, la saleté dans laquelle je me tenais. Et le Seigneur, mon Dieu, mon Père, oh Seigneur Jésus. Papa, je te demande pardon, je t'aime, mon Dieu, Père. Oh.
sorcier, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller poser les enfants du Dieu par pour le ciel et sans être en arrivant et moi mentir pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller les enfants par pour le ciel et sans être en arrivant et moi mon petit Dieu pour toi la question est-ce que tu pourras aller aussi les enfants par pour le ciel et son être en arrivant il voit pose-toi la question est-ce que je pourrai aller au ciel les enfants par pour le ciel et son est-ce que tu pourras aller au ciel les appareiller par pour le ciel et sans être en arrivant et toi voleur pose-toi la question est-ce que tu pourras y aller. Seigneur, quand je regarde l'éternel, mon Dieu, ces anges qui vont parmi lui au ciel, à cause de ma robe qui est tachetée, Seigneur, je ne me retrouve pas parmi ces milliers d'anges, éternel, mon Dieu, qui sont en train de monter vers ton trône. Je ne me retrouve pas parmi ces milliers d'anges qui vont vers ton trône, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, je me rendrai ton sang, même. Oui, Seigneur. Je suis sanctifié, mon esprit éternel. Je suis blanchi, mon cœur éternel. Je suis blanchi, mon cœur éternel. Je suis là, 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 mon cœur éternel. Je suis donne-moi ta voix, mon cœur éternel. Seigneur, je suis blanchi. Donne-moi ta voix, mon cœur éternel. Donne-moi ta voix, mon cœur éternel. Que je sois blanc, que nous soyons sanctifiés, mon cœur. Efface mes péchés de ton sang précieux, efface tous mes péchés de ta chute. Fais-moi grâce, Seigneur. Rends-moi saint, rends-moi pur, rends-moi pur, rends-moi pur, Seigneur Jésus. Purifie-moi, Seigneur. C'est la sainteté, Seigneur, nous devons chercher. Comme le dit le cantique, le caractère de mon papa. Sainteté, 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 c'est le caractère de mon papa. La vie de Jésus-Christ est ce que nous devons chercher. C'est ce que nous devons chercher. Oh, sainteté, 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 c'est le caractère de mon papa.
Je prie que la vie soit trempée dans le sang de Jésus. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché en vérité. En vérité, là où le sang n'a pas coulé, il n'y a pas de pardon, Seigneur. Oh Jésus. Je prie de lui, Seigneur. Tu vas invoquer, bois le sang de Jésus. Je bois ton sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Au cours de la semaine, nous allons sauver. Seigneur, nous avons consommé des repas. Nous avons consommé des nourritures qui n'ont pas été à la gloire de ton nom. Qui n'ont pas été dignes de la gloire de ton nom. Seigneur, c'est pourquoi je bois ton sang, Jésus. Je bois ton sang, Jésus. Bois rien, Seigneur mon Dieu. Tout ce qui est en vous, tout ce qui est mauvais, je bois ton sang. Pour t'assumer tout ce qui est en toi, ta gloire, qui est en moi, à mon esprit, à mon âme, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Jésus, je bois ton sang. Jésus, je bois ton sang. Je bois ton sang. Pour neutraliser tout ce qui ne va pas ta gloire sur moi. Je bois ton sang, Jésus. Je bois ton sang, Jésus. Ton sang que tu as versé à cause de moi. Je bois ton sang, Jésus. 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 Quand de votre fils qui est mon sang, je bois ton sang, Jésus. Je bois ton sang, Jésus, qui donne la vie éternelle, qui est le bonheur de l'immortalité. Oh Seigneur. Il veut te sauver. Oh Seigneur, il n'y a que ton sang qui peut te sauver. Ton sang qui peut te sauver. Il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a que le sang de Jésus. Il peut te sauver. Il n'y a que le sang de Jésus. Qui peut nous sauver? Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut nous racheter. Il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a que le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui peut nous sauver. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous libérer. Jésus, il n'y a que ton sang. Il n'y a que ton sang qui peut sauver l'homme, Seigneur. Le sang d'un animal ne peut pas sauver les ténèbres. Le sang d'un oiseau ne peut pas sauver les ténèbres. Le sang couché dans ton sang, Seigneur Jésus. Le sang couché dans ton sang. Couché dans ton sang, Seigneur Jésus. Et nous vivons ton sang. Il y a le renouvellement de l'immortalité. Il y a le sang de Jésus qui peut tout guérir. Tout ce qui est mauvais. Oh Seigneur, il n'y a que ton sang qui donne la vie. Je la vie, il te guérit. Oh, l'ombre de la mort, je combats pour toi. Ne te soucie pas, ne te soucie pas. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Oh, je te délivrerai, tu me glorifieras. Oh,
la mort, je combattrai pour toi. Ne te soucie pas, non, ne te soucie pas. Je te délivrerai, tu me glorifieras, papa. Et ne m'abandonnera pas, Seigneur Jésus, tu es là. Oh Seigneur, c'est nous rassis de ne pas avoir de soucis. Tu es avec nous. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Tu es présent pour ma vie. Merci Jésus. Tu es présent pour ma vie. Merci Jésus. Pour ta présence. Tu es réinstrumenté. En tout cas, tu es réinstrumenté. Tu es réinstrumenté. Oui, Seigneur. Jésus, tu es réinstrumenté. Jésus, tu règnes sur ma terre. Jésus, tu es comme toi. Seigneur, tu es comme toi. Seigneur, tu es comme toi. Jésus, tu es comme toi. Seigneur, toi, glorie. Toi, magnifique. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout, bien-aimé. Nous allons passer à un moment de combat, bien aimé. Tu vas évoquer tous les âmes spirituelles afin que nous puissions entrer en combat. Nous puissions foncer dans le camp ennemi. Invoque les âmes spirituelles. Invoque les âmes spirituelles. Invoque tous les âmes spirituelles. Je veux tous les âmes spirituelles. Je pose l'épée dans la main. Seigneur, le bouclier de la foi est mon Dieu. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, viens maintenant. Tu vas rendre au de tu ne gagneras pas. De Dieu. Alors bien aimé, en ce matin, tu vas te lever contre les œuvres de la sorcellerie.
Mais bien avant cela, invoque le feu de Saint du Saint-Esprit. Pour les parois qui sont là, si présents à Dieu, invoque le feu. Invoque le feu de Saint-Esprit pour déstabiliser. Là, pour l'ennemi, actionner ta chose, soit tu sois par le ciel. Descends, fais ton feu, Seigneur. Descends du troisième ciel. Maintenant, descends ton feu. En ce lieu, dans ces différents pays, dans ces différents locaux, descends ton feu. I'm your one.
Demander au Seigneur de combattre pour ces enfants. Quand tu vois l'école, ce qui se passe, on ne sait pas, on ne sait pas. Oh bien-aimé, seul le Seigneur sait. Tu vas invoquer toute œuvre de l'ennemi, toute œuvre de la sorcellerie. Qui est au niveau de l'ennemi. Éternel mon Dieu, adieu éternel mon Dieu, mon roi Seigneur, toutes les forces maléfiques Seigneur de l'œuvre, les œuvres des ténèbres éternel mon Dieu, ô roi des gloires Seigneur, nous prions éternel Dieu les armées Seigneur mon Dieu, le Alors, tu vas te lever encore. Tu n'arrives pas à prier. Pour le démon d'assoupissement, tu vas te culte. Alléluia. Amen. Pour toi, quand tu viens au culte, tu n'arrives pas à prier. Tu commences à prier, arrivé un moment, tu as commencé à dormir. Alléluia. Amen. C'est pas normal. Bonnie, c'est pas normal. C'est pas normal. Gloire à Jésus. Amen. Dimanche, là, c'est fait spécialement pour louer Dieu. Pour adorer Dieu. Tous les autres jours, là, tu peux dormir. Alléluia. Amen. Mais encore dimanche, même, tu viens, même, tu dors encore. Mais c'est qui est mauvais, là. Le Seigneur dit, veillez et priez. Veillez et priez, car nul ne sait ni le jour ni l'heure. Parce que même les gens, ils ne savent pas quand Jésus va venir faire l'enlèvement. Ils ne connaissent pas. Eux, ils sont déjà prêts seulement, mais ils ne savent pas c'est quand. Donc, tu peux être en train de faire culte, et puis la trompette a sonné. Il va donner l'ordre de sonner la trompette. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Donc, le Seigneur dit, il dit heureux, cela que lorsque je vais venir, le maître de la maison va venir trouver les ouvriers. Ils ne sont pas en train de dormir, mais ils sont en éveil. Il dit pour vous est bon. Il dit pour vous est bon. Mais si malheur à toi, il vient te trouver en train de ronfler, où tu as soulevé tous les mille oreilles, comment on appelle les mille oreilles pour mettre sur ta tête. Et puis tu es en train de dormir. Tu as mis tous les draps qui sont dans le monde assis comme vous. Faut même pas te faire toi-même. Pendant que ton mari me prie, faut pas te faire toi-même. Regarde, ça va te déranger là. S'il vient te trouver dans ça, tu vas dormir jusqu'à éternellement. Alléluia. Amen. Pour ne pas dormir éternellement, il y a un travail à faire. Quand le Seigneur donne un verset,
L'ennemi aussi vient pour contredire le verset. Le Seigneur a dit, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Qui peut me réciter ce verset-là? 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 19, dit quoi? Il dit quoi? N'éteignez pas l'esprit qui est en vous. Vous là, l'esprit de Dieu qui est en vous là, est-ce que ce n'est pas éteint actuellement? Si l'esprit de Dieu a été en toi là, comment Jésus va te prendre? Or, c'est par le Saint-Esprit que tu seras collé pour partir au ciel. Vérité. Mais si il dit que le Saint-Esprit a été, mais mon ami, ça ne veut pas aller. Donc, quand Satan sait que Jésus a dit prier sans cesse, lui aussi il a dit à ses démons, allez-y les assoupir sans cesse. Vérité. Chaque verset de la Bible là, Satan a créé pour lui aussi. Il a dit, les chrétiens, eux-mêmes, ils ne connaissent pas quand leur maître va venir. Donc vous aussi là, on a qu'à se presser rapidement, on va les tuer. Là, on va avoir beaucoup parlé en enfer avec eux. Mon ami, je vais te dire la vérité. Aujourd'hui, là, il ne faut pas jouer avec ta vie. Les temps dans lesquels nous sommes là, c'est fini. Alléluia. Amen. Le Seigneur même en train de se révéler aux enfants dans les vélos. Les enfants de rien du tout. Hein. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas prier ce matin. C'est pas normal quand tu viens à l'église, au moment où ils sont là prêcher la parole de Dieu, dors. Aujourd'hui là, tu vas pas dormir. Alléluia. Amen. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, prends les deux sommeils qu'on met sur mes yeux là. Et puis quand tu as dormi comme boum, tu ne veux pas te lever pour prier là. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, faut enlever tes bagages là, sinon. Parce que quand tu dors, tu ne pries pas, c'est là au maïs ton là. Mais quand tu pries, tu vois que tu es en train de briller où là-dessus? Aujourd'hui, depuis 22 heures. Je me suis levé jusqu'à 3 heures en train de prier. Je n'ai pas attendu un brûlé, je crois. Mais c'était dans la rue, j'entendais la sirène des eaux en train de prier. Vous là, les démons là, quand vous dormez là, ils travaillent. C'est pas habituellement le monde occulte travaille. Gloire à Jésus. Amen. On peut prier 12 heures du temps, on peut prier 15 heures du temps. Alléluia. Amen. Ça ne fait rien à l'âme de l'homme. Au contraire, ton âme est contente. Quand tu pries beaucoup, là, ton âme est dans la joie. Amen. Jésus allait prier à Gethsémané, il a fait comme ça. La parole de Dieu dit, il a prié jusqu'à la sueur. Quand ça coule, comme ça tombe, là, c'est devenu du sang. Amen. Et quand il pensait, il allait s'arrêter pour faire 15 minutes de prière, et puis sueur est devenu sang. C'est pas 15 minutes que Jésus a fait là-bas. Alléluia. Amen. Il y a des prières là, quand tu fais, quand tu arrives dans une certaine dimension là. Non. Tu te sens plus sur la terre encore. Gloire à Jésus. Amen. Parce qu'il n'y a pas des gens. Souvent quand vous priez, mais vous-même vous sentez que André, vous n'êtes pas sur la terre. C'est comme toi-même, tu es suspendu comme ça. Alléluia. Amen. Je te dis, si tu commences à prier comme ça, là, on appelle ça la vie de sainteté. Quand tu as marché même là, même l'air qu'on reçoit, tu as battu ça sonne mal. L'air qu'on est ici, c'est produit. Mais si tu vis la sanctification, c'est là que tu as senti ça. Et puis quand tu m'as dit, tu vois que tes pieds là, c'est comme ça ne touche pas le corps, tu es suspendu. Gloire à Jésus. Amen. On va prier pour atteindre ce niveau là. J'ai dit, tant que vous êtes à moi ici là, moi, tous les enfants dans la foi avec Jésus là, ils ne doivent pas être paresseux dans la prière. Ça, c'est la grâce que Dieu m'a donnée. Dans la prière seulement là. Ah, ma fille, elle connaît. Tu ne dois pas être paresseux. Alors, et puis, voilà. Singa comment? Lui mais voilà. Moi aussi noir. Et là, quand il y a mes wawa, moi Singa, son chant qu'elle chantait là, moi j'étais en train de chanter ça spirituellement là. Et puis je voyais pour elle a pris le chant. En même temps, il était comme ça. Elle est connectée à l'esprit de Dieu. Mais toi tu dis le feu de cette esprit n'a qu'à descendre. Et puis là, il dit là. Et puis tu sais de qui était toi. Et puis les démons ils sont comme. Mais quand tu dis Nyamewa, ouais, moi si, et puis tu dis des gens sur les chantiers, ils n'ont pas le. Ils sont mélangés. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier ce matin, tu vas dire à Dieu de te donner la vie de prière. Regarde, tu n'as jamais prié 2 heures du temps. Tu as dit à Dieu, prier 4 heures, 5 heures, 6 heures. Seigneur, pour mettre ça moi. Seigneur, quand il vient à l'église, il ne faut pas y être dormi. Oh, commence à prier, faut prier. Faut dire tout le monde qui est contre moi. Tout le démon qui t'envoie. Oh, le matin. Va bien battre les mains comme ça. On va faire un peu de temps.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia, c'est pas fini. On va prier les esprits du monde. Alléluia. Vous voyez, non? L'année est finie. Selon le monde. Alléluia. Amen. Selon le monde, l'année tient à sa fin. Gloire à Jésus. Amen. Avant hier le 20, il y a eu un accident à Benoît. Cet accident a occasionné 7 morts. Matin, bonheur à 7 heures. Les gens partent au travail. 7 morts. Ils se sont levés, ils sont au travail. On va mourir. Est-ce que ils vont mourir? Ah, mais je suis sûr que s'ils savaient ça là, peut-être qu'ils allaient se répandre avant de partir. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est après ça que je vous dis. Le Seigneur dit, même les anges, ils ne connaissent pas quand lui va venir. Lisez la parole de les anges, même eux, mais ils ne savent même pas quand même Jésus va venir. Alléluia. Amen. Eux aussi, ils sont prêts comme nous. Gloire à Jésus. Pour eux, ils ont calipé, ils vont faire pont. Alléluia. Amen. Bien aimé, en chemin. Faut pas dire, moi, je ne voyage pas, donc je ne prie pas pour esprit d'accident. Il y a tes parents qui voyagent. Alléluia. Amen. Il y a tes enfants qui vont à l'école. Toi-même aussi là, même quand tu marches, tu t'en vas au champ, c'est un voyage qui effectue. C'est un voyage. Vérité. Quelqu'un peut prendre un vélo pour te poigner. Hier, je disais les enfants, j'ai dit non, ne riez pas. Hein. Parce que si le vélo est programmé pour te tuer là, les gens ils vont voir physiquement que c'est un vélo. Mais spirituellement, c'est pas vélo. Vérité. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, on est en fin d'année. On doit prier pour nos frères, pour nos soeurs, pour nos parents, pour nous-mêmes, nos enfants. Et pour nous-mêmes. Parce que on ne sait pas là où toi, ton enlèvement va commencer. Si tu es mort là, le Seigneur est venu pour toi. Tu n'as pas retourné encore pour venir te répandre. Non, c'est fini ça. Il y en a plus, ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, ce matin, je veux qu'on va prier même avec vie. La dernière fois, je vous avais parlé de l'esprit d'accident sur l'autoroute. Quand on a parlé, là, vous avez vu ce qui s'est passé là-bas. Ce qui me devait se passer là, ce n'était pas ça. Mais le Seigneur, à cause de la prière aussi, Dieu a amorti ça. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu dis, tu vas prier ce matin contre les démons d'accident, les esprits de mort. Alléluia. Amen. Il a dit à Dieu que tous ceux qu'ils ont programmé dans ta famille, tous les innocents qu'ils ont programmé pour mourir dans les accidents, chez tes voisines, ceux même que tu ne connais pas, tu vas dire à Dieu, Seigneur, il faut les libérer. Seigneur, il faut les sauver. Commence à prier, faut pas prier. Nous ne vont pas aller pour Dieu. Voilà, faut prier pour l'esprit d'accident. L'esprit d'accident. Les démons ont fait ça. Nous disons que tu sors de la vie. Je vous Je connais pas,
décembre. Et ils ont ce qu'ils appellent le 31 décembre, le 1er janvier. Et c'est là-bas, les âmes meurent beaucoup. Il y en a qui meurent dans les maquis. Il y en a aussi qui meurent dans la nourriture. Il y en a qui meurent. Bien aimé, même ils veulent aller chez leurs parents pour aller fêter, ils meurent. Alléluia. Amen. Or, parmi ces personnes, plusieurs sont des enfants de Dieu. Alléluia. Bien aimé, avant toi et moi, on faisait la même chose. Avant, on fêtait ces fêtes-là. On faisait comme eux. Mais aujourd'hui, le Seigneur a ouvert nos yeux pour dire que c'est en ce moment-là que les démons se servent pour boire le sang humain. On va dire à Dieu que ce qu'ils ont programmé dans les 24 décembre ou 31, les fêtes de Noël, on va dire à Dieu. Bien aimé, partout dans les carrefours, ils ont posé les canaries de sang, où ils ont mis les barils de sang, les démons qui veulent recueillir les cas. Ils ont programmé des cas pour renverser. On va dire à Dieu que tout cela échoue au nom de Jésus. Amen. Tout cela, cette année-là, les points n'a qu'à échouer. Que le Seigneur me soit victorieux. Alléluia. Amen. Prions pour libérer les âmes au nom de Jésus. Éternel, bonjour, roi, Seigneur. Roi, le bras, Seigneur, le sang. Le diable. Quelqu'un a la victoire. Amen.
vas à la maison, il faut prier beaucoup pour les compagnies. Il faut prier pour les compagnies. Il y a UTB, il y a SBETA. UTB, SBETA. UTB et puis SBETA. SBETA. MB. Conseil transport. Les cas d'Aboisseau, là, il y a deux dans ce programme. Il y a deux compagnies, ils ont programmé. Et puis, au Toulou du Nord, ils ont programmé deux compagnies. Quand tu vas, il faut prier beaucoup pour eux. Ils vont renverser ça. Alléluia. Amen. Ma fille aussi est en train de parler de ceux qui sont où on va prier pour eux. Gloire à Jésus. Amen. Les accidents en moto même sont plus dangereux que les accidents dans les véhicules. Et regardez, les véhicules au moins, il y a des hommes qui arrivent à s'en sortir souvent beaucoup. Même la moto là, il n'y a rien qui se protège. Alléluia. Amen. On va prier pour dire à Dieu que... Alléluia. Amen. Satan aujourd'hui là, il n'a pas eu la chance. Parce que nous, on s'est levé avant lui. C'est quand il se lève avant nous, il fait ses bêtises. Mais aujourd'hui, on s'est levé avant lui. Alléluia. Tous les dimanches là, mes enfants, réveillez-vous avant eux. Alléluia. Réveillez-vous avant eux. Quand vous allez vous réveiller avant eux là, vous allez voir, c'est eux-mêmes qui vont avoir sommeil. Vous n'allez pas avoir sommeil. Vous allez, ils vont dormir. Gloire à Jésus. Amen. Pendant qu'on est en train de prier. Alléluia. Amen. Il y a un démon de sang, il est fâché. Il ne peut plus gagner sang. Parce qu'on a baissé tout, on a cassé les barils. Les barils qu'ils ont mis dans les carrefours, on a gâté tout. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut exploser. Dieu va ouvrir vos yeux, vous allez voir toutes les choses. Amen. On va prier pour tous ceux qui roulent les motos. Tous ceux qui sont en moto. Alléluia. Amen. On va dire à Dieu que toutes les programmations annulent le nom de Jésus. Bien aimé, toi, tu n'as pas moto. Quelqu'un peut te prendre et puis ils vont le programmer. Alléluia. Amen. Allez, prions le Seigneur au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon Seigneur, par ce matin, roi de toi, Père, nous prions. Oh Dieu vivant, Dieu tout puissant, Papa. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa. Que tout cela, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, Père. Attendez, il y a un autre sujet qui est venu dans mon esprit. On va prier pour deux femmes enceintes. Deux femmes enceintes. Et au travers de leur vie, on va demander à Dieu d'étendre sa main sur toutes les femmes enceintes du monde entier. Amen. Alléluia. Amen. On va prier pour notre soeur, maman Rachel. Et puis Chantal. Alléluia. Amen. On va dire à Dieu que c'est que les. Il y a dit chaque matin, là, Chantal m'a cherché par la grève. On va dire à Dieu que tout ce qu'ils ont programmé sur la vie des mamans Rachel, des mamans Chantal, que tout échoue. Mais on va demander à Dieu de mettre le feu sur tous ces démons-là. Au même pas, il va les laisser tranquilles. Il n'a pas les paralysés. D'autres n'ont qu'à chier sur eux. Alléluia. Jésus, on est fâché maintenant. Alléluia. Commence à prier le Seigneur. Éternel des armées. Toi qui as le Dieu, Je suis le plus grand.
C'est pas fini. Et puis aujourd'hui, on est déçu. On va prier toujours pour les femmes enceintes. Amen. On va dire à Dieu de mettre une barrière autour de ces femmes-là. Que le Saint-Esprit me fait une barrière autour d'elles. Amen. Et que les démons, là, qui ne voient plus jamais ces grossesses. La Bible déclare que dans le livre de Genèse, lorsque Dieu partait détruire Sodome et Gomorre, et que Lot a vu les anges de l'Éternel, alors il les a fait rentrer chez lui. Et les habitants de Sodome et de Gomorre ont dit, monsieur, ce que tu as fait rentrer chez toi, la fête est sortie, nous on va voir clair dans eux. Lot dit, voici mes deux filles, si vous voulez la prenez, allez-y, faites ce que vous voulez. Il dit, on ne veut pas tes filles. Il voulait casser forcément la porte. La parole de Dieu dit, les anges ont entendu les mains, ils ont fait rentrer Lot. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont frappé d'aveuglement. Quand ils ont frappé comme ça là, tous ceux qui étaient là, ils sont devenus aveugles. Amen. Et on va frapper les démons là ce matin. Amen. Ses anges. On dit, Jérémie 16, 16 dit, il va envoyer un groupe de chasseurs. Ceux-là, ils chassent
ils sont dans la forêt, ils sont sur les montagnes, sur les côtes, partout les gens se cachent, les sorciers se cachent là, ils sont là. Et puis il y a un autre groupe, ils vont voir, c'est des pêcheurs. Eux là, ils rentrent en bas de l'eau, où il y a la sirène des eaux là, c'est là-bas qu'ils vont enlever les enfants de Dieu. On va dire Dieu ce matin, il n'a qu'à voir ces deux groupes d'anges là. Maintenant, il faut aller libérer tous les enfants que l'ennemi veut initier. Ceux-mêmes qui sont initiés aussi, le Seigneur n'a qu'à les libérer. Allez, prions le Seigneur. Que les gens nous attaquent spirituellement. Mais Jésus dit avec assurance que tous les jours on aura la victoire. Commence à acclamer la victoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Faut dire que c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Le monsieur là, pourquoi il aime prier comme ça? Alléluia. Nous n'allons pas prier pour ce village. On va dire à l'Éternel des armées de changer l'identité de ce village. Amen. Tous les enfants de Dieu qui sont dans ce village-là, qui ne se sont pas encore donnés au Seigneur, qui continuent de se promener dans les bras de lui, qui continuent de se promener dans les puissants, dans les maquis, qui continuent de se promener, bien aimé, dans la prostitution, dans le vol, dans la drogue, on va dire à l'Éternel de les sauver, de les retirer. Alléluia. Bien aimé, commence à prier. Faut prier le Seigneur. On prie. On prie pour les âmes dans le village. Le Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Je suis pas les gloires, Seigneur. Je suis le Seigneur. Je suis dans le village. Tout ce que tu as appelé. Le Seigneur, mon Dieu, qui soit soit dans le monde, Seigneur. Qui se promène à toi, Éternel, mon Dieu. Par la vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Qui ne peut pas s'en prendre. Le Seigneur, mon Dieu, mon roi, je suis pour la libérer. Je suis pour la libérer, pour la libérer, pour la libérer, pour la libérer. Alors, sans plus tarder, nous allons
parti avec la louange. Nous allons partir avec la louange. On va louer le Seigneur. Mm-hmm. On va dire vraiment que nous sommes contents. On va lui exprimer notre joie. Mm-hmm. Alors, il ne va pas s'asseoir. Même si, bien aimé, même si on est comme ça. Alléluia, venez l'envoyer avec moi. Amen, amen. Alléluia, venez l'envoyer avec moi. Oh!
Ah,
personne, j'ai volé avant, personne, personne, j'ai fouillé, fouillé. Il a fouillé, fouillé. Fouillé, fouillé, personne, il n'y avait pas personne comme lui. J'ai longtemps marché, marché, marché. Personne, personne, j'ai tourné en rond. Personne, personne, j'ai fouillé, fouillé. Il n'est pas dans la douche là. Il n'y avait pas personne comme lui. J'ai longtemps marché, marché, marché. Personne, personne, j'ai tourné en rond. Personne, personne, j'ai fouillé, fouillé. Il n'y avait pas dans la douche là. Regardez bien. J'ai longtemps marché, 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 personne, personne, j'ai tourné en rond, personne, personne, j'ai fouillé, fouillé. Oh, il n'est pas dans le tour là, il n'y a personne comme lui. Si tu es dans le monde, si tu es dans le monde, si tu es dans le monde, viens à Jésus, quitte dans le monde, viens à Jésus, quitte dans le monde, viens à Jésus, quitte dans le monde, viens à Jésus. Alléluia! Acclamez le Seigneur Jésus. Papa, dans le bonheur.
Jésus au fait. Jésus au fait. Jésus au fait. Non, non, non. Faut vous donner comme ça. Vous donner comme ça, il y a un combat. C'est fou. Voilà, chantez ça. Tout est un jour. Il y a un chant, il chante à ça. Alléluia. Amen. Voilà. C'est un rappel. En tout moment, vous pouvez t'arrêter. Sans même. Allez, l'endroit, chantez. Est-ce que si tu viens à Jésus, à tout moment, tu marches des kilomètres, tu viens. Ouais. Est-ce que en réalité, tu viens. Tu seras sauvé. Oh, sois béni, mon frère. En vérité. M'en fais beaucoup aimer. Demande à m'en fais beaucoup aimer. M'en fais beaucoup aimer. Demande à m'en fais beaucoup aimer. 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 Jésus à toi.
Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, alléluia. Amen. Le Dieu est vivant. Amen. Le Dieu est vivant. Amen. Alors, bien aimé, en ce matin encore, nous allons poursuivre avec le témoignage. Il est juste et bon de rendre gloire au Seigneur, de raconter ses bienfaits. Alors, bien aimé, et comme ça, lorsque nous racontons les bienfaits du Seigneur Jésus, l'ennemi n'est pas content. L'ennemi a la figure froissée. L'ennemi n'est pas du tout content. Alors, bien aimé, pour toi, pour moi, qui nous sommes enfants de Dieu, il est juste et bon de venir rendre témoignage pour dire les bienfaits de Dieu. Alléluia. Voilà, donc voici le moment où tu vas venir raconter ton témoignage, ce que Dieu a fait pour toi. Témoignage. Un sacrifice libre de témoignage. Bien aimé, j'ai un témoignage de remerciement à rendre pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour la vie qu'il nous a donnée, pour son soutien qu'il nous a donné. Il nous a donné la grâce infiniment. En tout cas, à chaque fois, il nous donne la grâce. La grâce. Il fait grâce à nos enfants, à tous ceux qui sont aux alentours de nous. Je bénis son nom pour tout ce qu'il a fait pour nous. Tout ce qu'il a fait. Voilà. Je dis merci au Seigneur. Dès que ton nom soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Je viens ce matin pour dire merci à Dieu. Bien aimé, je veux lui rendre toute la gloire d'abord pour la vie de ma famille, pour la vie de mes enfants, pour la vie de tous les bien-aimés frères et sœurs dans la foi. Je veux dire merci à Dieu. Et puis Dieu a permis qu'aujourd'hui, dimanche, ce n'était pas évident pour d'autres personnes d'être ensemble. Mais le Seigneur, dans son amour, dans son humble amour, dans sa compassion, regardez que Dieu a permis que toi et moi, on soit ici. C'est une grâce de Dieu. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui cherchent ce genre de choses. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas avoir cela. Alléluia. Mais si Dieu nous a fait la grâce, il est important de lui dire merci. Vous voyez, mon second témoignage, c'est que dans cette semaine-là, depuis le vendredi, le Seigneur a voulu que j'observe un moment de 3 jours de jeûne. Et j'ai commencé le jeûne le vendredi. Et pardon, j'ai dit le vendredi, le jeudi. J'ai commencé le jeudi, vendredi. Et puis c'est hier, j'ai fini. Je vous assure, bien aimé, ce moment de jeûne que le Seigneur avait permis, c'était pour le réveil spirituel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien aimé, quand on dort là, c'est pas bon. Le sommeil, il y a un temps pour dormir. C'est ce que le livre de Ecclésiaste nous dit. Il dit qu'il y a un temps pour toute chose sur la terre, sous la terre. Dans les cieux, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour récolter. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'ai vu que il y a plusieurs des personnes parmi nous qui avait vraiment baissé dans la prière. Or, quand tu baisses dans la prière, c'est là l'ennemi aussi, il travaille dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais une fois que le réveil est là, là, les sorciers, même là, ils restent à des kilomètres de toi. Toi, tu ne les vois pas, hein. Mais quand ils te voient venir, ils font le feu, ils voient, donc ils fuient. Gloire à Jésus. Amen. Et vous avez dit que, au deuxième jour de mon jeûne, et puis là, vous dites le jeûne, c'est de quel accueil? 6h midi. Mais attention, attention, quand un jeune est inspiré de Dieu, là,
même si c'est de 6h à 7h. Dans ce laps de temps, c'est que Dieu veut faire. Il a dit quoi? 1000 ans est comme un jour à mes yeux. Un jour est comme 1000 ans à ses yeux. Quelqu'un peut faire 40 jours de jeûne. Toi, tu vas faire un seul jour de jeûne. Et puis vous avez la même exhortation. Vous êtes exaucé de la même manière. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas ça? Si. Quelqu'un peut faire 40 jours. Toi, tu vas faire un seul jour. Alléluia. Amen. Ça va dépendre de ta disposition. Comment tu vas te disposer? Parce que lui, il faut que 40 jours pour se bien disposer. Mais toi, en un seul jour là, tu peux déjà rentrer dans la présence de Dieu. Et voici que je suis rentré dans la présence de Dieu. Et le Seigneur, au deuxième jour, va faire quoi? Bien aimé, les jeux hasard qu'on parle là, c'est pas amusement, c'est pas bon. Le Seigneur m'a révélé ça. Vous voyez, les jeux, on appelle pétanque, ce qu'on appelle boule, les gens jouent comme ça. J'ai vu que nous, on ne savait pas comment faire jouer ce jeu-là. Et il se trouvait que c'était moi, l'homme de Dieu Moïse, je ne sais pas si sa femme était là, mais qui avait certaines autres personnes. Mais quand nous sommes allés, il y a quelqu'un qui dit de venir, il va aller nous montrer comment est-ce qu'on joue ce jeu, comment est-ce qu'on lance ces poids-là. Quand nous sommes arrivés, c'est moi-même qui me suis assis d'abord, premier, et le monsieur a arrêté comme ça. Et il est en train de montrer comment on fait. En même temps, ça est dans mon esprit que mais le Seigneur est contre ce genre de choses-là. Dieu n'aime pas ça. Et puis moi-même, j'ai dit au monsieur, mais monsieur, ça là, c'est les jeux que Dieu n'aime pas. Et puis lui-même, il répond que oui, que Dieu n'aime pas les jeux hasard. Et Dieu lui demande, mais ce que l'on est venu pour nous pour apprendre là, ça c'est les jeux hasard. Il dit non, tout ça là, ça fait partie des arts martiaux. Que les arts martiaux, Dieu n'est pas dedans. Qu'est-ce qu'on appelle arts martiaux? C'est karaté, boxe, catch, le football, sortez dedans. Qu'est-ce que le Seigneur m'a montré? J'ai vu une caméra. Et c'est... Bon, ça est en forme de miroir, mais c'est rond comme ça. C'est un miroir, c'est rond comme ça. Hein? Quand tu es assis, quand tu es là, tu es en train de faire, tu es en train de jouer à ces jeux-là. Le miroir est placé comme ça, et puis il te filme directement. Il te filme directement. Et le Seigneur me dit, tu as vu ce miroir-là? C'est un caméra. Ça filme les gens. Ceux qui ne vont pas se répandre de ces choses-là, quand ils vont mourir, cette caméra-là leur sera présentée. Si tu joues Ludo, tu joues Dame, tu joues à Wally, arrête tout. Loto, sors dedans. L'hôtellerie, sors dedans. Ce sont des tromperies du diable. Et vous êtes filmé à la pièce. Vous êtes filmé. Au moment où tu t'en coupé, t'en joué là. Ça y est, là, ça te filme. Alléluia. Amen. Bien aimé, faisons attention. Faisons très attention. Et aussi, le Seigneur va me parler encore de certains serviteurs de Dieu. Il leur arrive des temps où, et vous voyez, ils vont à l'église. Mais arrivé un moment, ils rechutent, ils reviennent en arrière. Il faut que, arrivé un moment là, il retourne encore derrière même. Et je voyais comme ça des adorations qui étaient dans des familles de certains serviteurs de Dieu. Et ces adorations, il n'y a pas encore eu de rupture même en tant que tel. Donc ça fait que ça les retire encore par derrière. Alléluia. Ça les retire par derrière. Gloire à Jésus. Nous devons faire très attention. Dernière des choses que je veux vous rendre comme témoignage. Hier, c'était le dernier jour du jeûne. Et je suis allé chez les mamans et c'est. On était là, on a posé jusqu'à. Après le travail, on a posé un peu. On a même. On a fait. Comment on appelle ça? Un peu d'enseignement public. Parce que je ne veux pas qu'il s'assure. Donc j'ai envoyé des enseignements et puis on a commencé par partager ces enseignements là, eux-mêmes je les demandais et puis eux-mêmes aussi disaient, donnaient en tout cas leur opinion sur les enseignements et c'était intéressant. Et c'est ainsi que à 17h je suis arrivé à la maison. Bien aimé, puisqu'il n'y a pas le courant, lorsque je me suis couché, voici que le Seigneur va me réveiller à 22h.
à 22h. Et il va me dire, il faut prier. Moi, parfois, j'ai deux heures où je me lève. Mais hier, le Seigneur m'est arrivé à 22h. Il me dit, prie. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à louer, à adorer le Seigneur. Aux environs de 23 heures, beaucoup là-bas, j'entends le bruit d'une chauve-souris qui vient planer. Absolument. Le Seigneur me dit, continue de prier. Moi, il ne sait pas, le Seigneur veut me montrer quelque chose. Je continuais à prier quand lui il a arrêté son bruit. Quand il a arrêté son bruit net, à minuit, il vous dit minuit n'est pas passé d'une minute, ni d'une seconde. J'entends des bruits dans le village. C'est pas spirituellement. Hein. Je suis là et puis j'entends ça. Les bruits là, quand j'ai entendu là, c'est pas bruit de chien. Hein. C'est comme des hommes qui aboient, qui font sortir des cris. Je suis en train de prier, puis je demande au Seigneur. Il me dit, l'esprit des eaux, voici. Voici comment elle fait. C'est elle qui est là. Elle est là actuellement avec d'autres démons. Il dit, ah. Et quand elle crie là même, là, sa voix là, tu as dit, c'est aigu. Donc, c'est moi, c'est ici que je t'ai pris. Si j'étais. C'est là où j'étais. Et je me levais même pour tourner ici pour prier. Je me levais et je tournais dans la rue, je priais. Et pendant que je suis en train de prier, je dis, Seigneur, si tu es moi, que tu es en ce lieu, moi je vais voir ta puissance. Je vais ordonner que tous ces cris-là s'arrêtent maintenant en ton nom. Parce que ta parole dit dans le livre de Philippiens que tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. En ton nom, tout genou fléchit et tout l'âme confesse que tu es Seigneur. Alors, je vais appliquer ce verset-là pour voir. Quand j'ai fini de donner le verset, et puis j'ai dit, je donne tout fait silence. J'ai dit, le bruit l'a arrêté pour même. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ils se sont calmés en même temps. Je n'ai plus entendu les prières. J'ai commencé à prier jusqu'à 2h du matin. Et j'entendais, il y a un chien qui est dans la poule ici. C'est lui qui a commencé à boire maintenant. Et jusqu'à 3h. Je pense que c'est vers 1h, 2h là qu'il est réveillé. Ceux-là sont réveillés, ils m'ont vu en train de louer Dieu, mon Dieu. Et puis ils se sont levés, ils ont commencé à venir louer Dieu avec moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est aux environs de 3h et quelques. Et c'est là que j'arrête la prière. Et puis je vais me laver pour me préparer pour le culte de ce matin. Depuis ce temps, jusqu'à actuellement, le feu du réveil est allumé en ce lieu. Alléluia. Amen. Bien-aimez-vous, mais vous avez remarqué que de la manière que vous êtes venu prier aujourd'hui là, et puis d'habitude, c'est pas comme ça. C'est avant là, c'est avant là. Tu vas voir qu'il y a une lourdeur qui va venir chez toi. Souvent tu es lourd, tu es façon. Mais le Seigneur a détruit toutes ces choses. Alléluia. Amen. Je veux vous dire quoi. Et pendant que je priais, il était là et il disait à Dieu, ah, mais Seigneur, donc c'est comme ça ton avènement là. Mais des gens seront couchés comme ça, en train de dormir. D'autres sont en train de prier, ils vont partir. Et puis ceux-là, au moins, ils vont se réveiller. Il n'y a personne. Gloire à Jésus. Amen. Vous avez vu le frère Barnabas a chanté, il a dit quoi? Les temps sont finis. Où nous sommes là, on doit rester en éveil. Votre temps de sommeil l'a limité. Limitez votre temps de sommeil. Gloire à Jésus. Amen. L'ennemi fait une chose, je vais vous montrer un secret. L'ennemi fait une chose, il vous donne le sommeil, il vous dit, oh, il faut dormir dans, à terre, tu as te réveiller. Puis toi aussi, tu dis, il est dormi. Après, il me réveille. Et puis, il t'a pu. Au moment où l'heure arrive, là, il fait encore sommeil, il a des yeux doux. L'heure où tu as te réveiller pour prier, là, ça dit. Mais y a, voilà, c'est que le secret que tu vas faire. Mets dans ton esprit que si je prie même jusqu'à matin, là,
Mais à midi, je peux me reposer. Je peux me reposer à n'importe quelle heure que je veux. Donc le sommeil ne doit pas être prioritaire sur toi. Une fois que tu mets ça là dans ton esprit, là, tu as vaincu cet esprit dans ce péchement. Alléluia. Amen. Mais quand tu es en train de voir que le sommeil est trop bon, il va vous dire quelque chose. Le sommeil là, que je dors, il ne dort pas ou ça ne va rien faire. Mais dormir là, ce n'est pas trop bon. Jésus est parti prier et il revenait. Il est venu trouver les disciples couchés là, ils dorment. Il dit, ah, vous n'avez même pas pu veiller une heure du temps. Vous dormez. Voici l'ennemi est déjà là. Voici ceux qui m'ont délivré, ils sont déjà là. Gloire à Jésus. La prière est importante. Soyez réveillés. Laissez le sommeil. L'heure où on est arrivé là n'est plus l'heure de dormir. Pardonnez. Si tu dois aller au travail matin, tu peux commencer à prier à partir de 20h. Jusqu'à minuit, 1h du matin, c'est bon. Mais il ne faut plus faire prier 1h du temps. Il ne faut pas faire ça. Il faut aller au-delà de ça. Alléluia. Quand tu vas commencer à prier au-delà de 1h du temps, tu vas voir que de la manière que le Seigneur va te parler là. Vous pensez que Dieu parlait à Moïse là, c'était quoi? Moïse est parti à la montagne là, il a fait combien de jours là-bas? Il a fait 40 jours. Moïse n'a pas mangé. Hein? Il n'a pas mangé, n'a pas bu l'eau. Moïse à la montagne, 40 jours. Au moment que Moïse va descendre comme ça, la maman était, on ne peut pas regarder Moïse. Si tu fais quoi que tu regardes son visage là, tu meurs sur le champ. Est-ce que Moïse et puis toi, ce n'est pas le même homme? Mais si Dieu a utilisé Moïse comme ça, c'est que Dieu peut t'utiliser comme ça. Moi, c'est tout ce que j'ai dit. J'ai dit, ceux qui sont venus là, leur sang n'était pas vert. Ils ont le même sang que nous. Donc, c'est ce qui a fait que Dieu les a utilisés là, c'est l'intimité qu'ils avaient avec Dieu. C'est-à-dire que c'était des gens, ils aimaient beaucoup se rapprocher de Dieu. Ils aimaient la prière, ils aimaient le jeûne, ils aimaient la méditation. Mais aujourd'hui, là, pourquoi Dieu ne parle pas beaucoup aux chrétiens? Parce que les chrétiens, ils n'aiment plus la prière. Ils n'aiment plus jeûner. Ils n'aiment plus méditer. Or, que pour connaître Dieu, c'est ici. Oui. Pour connaître Dieu, là, c'est ici. Mais oh, même si tu pries, tu jeûnes, il n'y a pas la parole en toi. C'est zéro. Gloire à Jésus. Si tu ne sais pas lire, là, vraiment, même que tu es en train de prier là, il y a des passages comme ça, Dieu peut te donner. Et puis quand tu finis de prier là, si ton mari s'est lié, ton enfant s'est lié, forcé dans la famille, il y a quelqu'un qui s'est lié. Tu dis à Dieu, tu dis à la personne, pardon, viens, il faut lire la Bible là, c'est ici là, il faut lire pour moi. Quand il va lire là, le Saint-Esprit me va t'enseigner. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Alléluia. Bien aimé, ne dormez plus. Gloire à Jésus. Sommeil là, pardonnez ça là. Vos yeux. Les temps où on est arrivé là, Satan dit que lui là où il est là, là, voilà, voici ma fille là. Elle a vu l'enlèvement spirituellement. Il y a sa camarade, elle lui a parlé de l'enlèvement. Elle est dans une autre église, elle est le nom. Elle a parlé de l'enlèvement. Sa camarade a dit c'est faux. Qu'on lui a dit, elle quoi là, elle devancée là, elles ont dit qu'il n'y aura pas d'enlèvement. Mais la périphérie là, elle est dans la même place, elle. Elle est partie dormir, c'est qu'elle a vu là. Elle a vu les gens sont partis. Elle est restée. Elle pleure. Elle demande où sont ses parents. On dit qu'ils ne sont plus là. Et c'est un de les devanciers là qui lui dit, mais quand on parlait là, on parlait que c'était fou. Or, c'est les mêmes là qui les trompent à l'église pour leur dire qu'il n'y aura pas d'enlèvement. Et c'est comme aujourd'hui, je veux ouvrir votre esprit sur quelque chose. La petite fille n'a pas pu dormir encore. Elle a eu peur. Jusqu'elle est venue expliquer le son là, ma fille. Que voilà ce qu'elle a fait. Elle s'est réveillée, elle pouvait savoir que tout le monde est parti autour d'elle. L'enlèvement a lieu. Voici une église qui dit que le paradis est sur la terre. Et elle vous dit quelque chose. Paradis n'est pas sur la terre. Si quelqu'un te dit paradis est sur terre là, il faut prendre Jean 14. C'est le passage que le Seigneur m'a donné. Jean 14, verset 1. Jésus a dit quoi? Il dit, je m'en vais où? Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en vais au Père. Dans la demeure de mon Père, là. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Alors, je m'en vais là-bas pour vous préparer une place. Est-ce que c'est sur la terre ici, il a dit?
Attends, mais ça là, avec ça là, quelqu'un m'avait dit tromper pour déliquer le paradis, j'étais. Hein? Tu as vu ce passage là? Jean 14, verset 1. Et, mais si le paradis était sur la terre, Jésus papa a dit que lui, ça va falloir préparer place ou donner pour attendre les gens là-bas. Folie ça. Jean chapitre 14. Oui, verset 15. Il dit que votre cœur ne se trouve point. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en moi, croyez en Dieu. Croyez en Dieu et en moi. Croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais au père. Il dit quoi? Je vais vous préparer une place. Au verset 3, il dit que lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est bon. Ça là, quelqu'un va te dire qu'il n'y a pas paradis. Donc où Jésus s'est préparé place, c'est à Capou là-bas. Au verset, c'est dans l'air tout au milieu. Au verset, c'est dans un campement. La nouvelle Jérusalem céleste, Sion, préparée comme une épouse qui attend son mari. Alléluia. Vous savez, quand les femmes sont fait mariage, la dame en est sa fille. Là. C'est ça, on dit. Elle est parée. Elle va mettre tous les tous ce qu'on ne veut pas. Elle va mettre ça. Bah, elle dit aujourd'hui, là, c'est mon jour. Alléluia. Hey! Donc, si quelqu'un te dit paradis n'existe pas, tu dis mon frère, faut lire Jean 14 là. Ça veut dire quoi? Faut m'expliquer. Jean 14, c'est de qui Jésus parle au juste. Si tu te dis que c'est de ses disciples, là, faut lui dire que moi, mes disciples de Jésus aussi. Amen. Ils sont venus chez moi ici. Moi, j'étais en train de faire un enseignement en direct. C'est Eli qui était là. Ils ont parlé un peu à lui. Mais quand ils ont vu que moi, Messi, là, parlé direct là-bas, là, dans le téléphone, ils sont partis, ils vont revenir. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont où? Je les attendais. Il faut qu'ils soient convertis pour rester ici. Ils ne sont plus venus. Les Bibles, là, ils allaient jeter ça. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Réveillez-vous. Soyez en éveil. Tant qu'on sera en éveil, les démons ne pourront rien faire devant nous. Alléluia. Tant qu'on sera en éveil, les démons ne pourront rien faire devant nous. Quand vous voyez que Moïse a quitté la montagne 40 jours, et puis il vient comme ça. C'est depuis ce jour-là, vous avez vu. Les musulmans, là, vous voyez, d'autres, ils voient les têtes. Hein? C'est cette image-là qu'ils ont pris. Voyez, pour eux, là, quand ils quittent la Mecque, là, ils viennent pour leur mettre de voile. Moïse a quitté la montagne. Quand il venait là, quand les gens ont vu sa fuite, les premières personnes qui ont regardé Moïse là, sur les champs, ils sont morts. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont morts? C'est l'Esprit de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui. Ça veut dire que c'était l'image de Dieu lui-même. Or, le Seigneur a dit que même un ange, si un ange même a vu son visage, quoi, là, il est foutu. Les gens, là, ils ne voient pas Dieu. Hein? Jésus, mais ils ne le connaissent pas même. C'est quand il est venu sur la terre ici. Mais sur la terre, c'était la chair, la forme de l'homme, il a appris pour venir. Donc, ils ont vu ça comme ça. Mais son lumière, il est là. Ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Eux, ils voient la lumière. Ils voient la voix sort dedans. Quand la voix sort là, c'est comme tonnerre. Vous voyez petit tonnerre ici là, d'autres petits. Quand ça fait bam, les Joseph là, ils ne peuvent pas rester. Piou! Il fuit pour aller rester devant de leur maman encore. Il veut devenir des Nicodèmes maintenant. Mais ça là, regardez la distance. Regardez la distance. Maintenant, et le jour là même. Tu as fait comment? Que Dieu vous bénisse. Alors, bien aimé, on continue toujours avec les témoignages. Il faut acclamer le Seigneur quand tu es Seigneur. Shalom, les paroles, shalom. Shalom, homme de Dieu. Donc, je voudrais bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous, en tout cas, donne fait la grâce. Et à tout moment, nous avons la vie. Amen. Et le Seigneur a beaucoup de fois glorifié. Il faut dire merci beaucoup à Jésus. Parce que le Seigneur nous garde. Bien aimé. Je vous aime. Il est bon.
Je suis ici ce matin pour rendre certains témoignages, c'est un témoignage des exhortations. Je vous ai dit que je suis Barnabas. Barnabas veut dire que c'est exhortation. Que le Seigneur nous bénisse. Mais le Seigneur permet que nous sortons pour aller évangéliser. Voilà, quand tu vas sur le terrain, ce qui est là, il faut essayer de un peu rapprocher aux parents. Et que par cela, par là, au petit tour, pour que nous puissions nous réveiller, nous sortir, parler de Jésus. Yes. Voilà, Jésus. Bien aimé, certains temps, je suis sur le terrain, hier, je suis en visite, et un frère que j'évangélisais. Le frère, là, comme papa venait de me dire, il a donné un sujet, même sur ça, on a prié, esprit d'accident. Le frère, il faisait partie d'une autre communauté. Et comme ça, le frère. Il est gardien dans l'usine des comment on avait dit, Libanais. Hein. Après le service, il venait à la maison à 18h. Parce que les policiers nous ont eu des ballons. Il a vu juste un des soulets. Voici, c'est un agent, comment on appelle la pas même là. Agent chef, non pas. Non. Donc il venait avant moi. Le monsieur était en train de marcher sur son côté. Voici qu'il est venu le renverser avec la voiture. Hein? Il a renversé le monsieur avec la voiture. Et là, le monsieur, il dit, au moment qu'il va se retrouver, il était couché en brousse et puis ses pieds sont sur sa tête. Ses pieds sont sur sa tête. Il est là. Il veut faire aussi pour faire descendre les pieds, il ne sait pas. Lui-même, il dit, il ne sait même pas comment il s'est retrouvé en brousse. Normalement, il devait mourir. Parce que l'accident s'est fait par derrière. Normalement, il devait mourir. Il devait mourir. Mais le Seigneur a fait grâce et il a la vie. Et de là, quand il a fini, moi je lui ai dit que c'est pourquoi le Seigneur dit soyez prêt à tout moment. C'est ça. Alors, soyez prêt à tout moment. Aujourd'hui, si tu mourais avec tes habits de maillot et autres là, tu partais directement en enfer. Parce que tu n'étais pas encore dépouillé. Oui. Alors, tu partais directement en enfer. Il n'y a pas de quoi à dire. Il n'y a pas de quoi à dire. Tu partais directement en enfer. C'est pourquoi le Seigneur dit soyez prêt à tout moment. Quand je suis là, madame, à tout moment, je lui dis. La mort là, quand le Seigneur dit que, comment on dit là, je vais revenir bientôt, vous pensez que tu vas rester en vie, le Seigneur va venir. Ça peut être ta mort. Oui. Donc nous devons arranger notre vie, à ce moment qu'on prie. Et de deuxième fois, pour vous exhorter sur le plan de l'évangélisation, le Seigneur, depuis le jour que on était à l'école, que le Seigneur s'est révélé par la prophétie, on dit que nous on doit sortir pour qu'il va avoir beaucoup d'âmes. En tout cas, cette prophétie m'a touché. Amen. En tout cas, le Seigneur permet que je ne dois pas comme ça. Yes. À tout moment, même si je suis en train de marcher, et puis j'ai trouvé une stratégie, j'ai pris ce sac-là, j'ai même ma Bible dedans. Je suis en train de marcher, je te croise en brousse, je vais t'évangéliser avant de marcher. C'est bien. Ça seulement, il faut t'apprêter à ça. Donc, comme ça, je suis sorti dans un campement où j'étais en train de faire mon contrat. J'ai fait le premier jour. On a travaillé. Deuxième jour, il y a le monsieur qui est là. Quand il m'a vu, il m'a dit directement que les gens qui travaillent ici, quand ils viennent, ils savent se faire. Et moi aussi, j'ai commencé à les voter dans mon sein. Bon, je dis, mais, franchement, là, c'est proche de la route. Et c'est pour qu'on voit que les mains, si tu es malin, pour rester dans le camp. Là, il va se voter. On va plus se voter, c'est pour lui. Alors, je lui ai parlé comme ça. Il dit qu'il a compris. Mais moi, il lui a dit, même si moi aussi, je suis dans le domaine des poulets. Alors, il a, ah, c'est bon, il a pris mon numéro. Sur le champ, il a voulu lui parler de Jésus. Troisième jour, je suis arrivé et je voulais, même temps qu'on a fini de causer, si c'est, il a fait ses primaires au plat, on a fini de causer, je voulais lui laisser partir. Lui aussi, il était pressé pour partir. Je suis là, bon, j'étais beaucoup inspiré pour lui parler de Jésus. Je suis beaucoup inspiré de lui parler de Jésus. Et je vais partir, ça ne va pas. Il dit d'accord, moi je vais lui parler. Et c'est là que j'ai dit, ah mon frère, que le Seigneur t'aime. Je suis tellement dans ta vie à Jésus. En ce moment, il y avait ma vie sur toi. Je suis parti toi. Quand il parlait de Jésus, bien aimé, c'est comme que quelqu'un même, je suis rentré dans ta famille pour tuer quelqu'un. C'est pas comme il s'est enflammé. Mais il a eu directement de compassion. Il a commencé à penser à sa vie. Il est devenu triste en même temps. Il s'est assis. Il est là. Et je lui ai parlé, commencé à parler, donne ta vie à Jésus. J'ai pris le livre de Jean 8, le verset 36. Il dit que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Il a commencé à me parler. Lui, je suis là. Tu me vois là. J'ai tellement de problèmes, je ne peux même pas parler. Et tu as bien fait de me parler de Jésus. Alléluia. En tout cas, je cherche le chemin, mais c'est pas. Que en moi, il y a un esprit. Que quand ça déclenche là, je ne sais même pas comment me supporter.
quand ça déclenche, je suis en train de parler à ma femme, il faut que je la frappe. Ou si c'est chaud, voilà, si c'est chaud, mon guerrier qui il faut que je vais couper un gros bois, et puis je vais prendre tout ça pour soulever le bois, et puis ma force là va s'apaiser un peu. Vous l'avez vu, non? C'est une entité démoniaque qui est dans leur famille. Pour ça, pour m'apaiser. Et que j'ai dit, mais est-ce que avant, qu'il ne faisait pas les pratiques, il n'avait pas des adorations? On a des adorations avant, pour faire les trucs à l'étude, c'est moi. Il égorgeait les poulets, les moutons, c'est moi qui faisais tout. Et il a commencé à rentrer dans sa vie. Donc il est là, je vois qu'il est pressé. Or, quand il est pressé, c'est là où je suis parti travailler. On a commencé des 9h, on a fini à 13h. C'est intéressant. je vois qu'il est pressé. Or, quand il est pressé, avant, je m'intéresse plus du travail. Je suis là, je lui parle, il est là. En tout cas, il dit souvent. Un temps même, j'ai frappé ma femme, ses parents sont venus la chercher, ils sont partis avec elle. Mais quand je suis assis, il dit, mais est-ce que au moment qu'on me parlait de Jésus-là, si je suivais ce chemin, est-ce que ma femme allait partir? J'avais une vie que ma maman m'a donnée, j'ai pris la vie, je suis rentré en bouche, et je médite un peu la parole, et puis j'ai appelé ma femme pour lui demander pardon. Et c'est comme ça, ma femme est revenue. Et ce monsieur, c'est une chose encore à souligner, c'est que, ce monsieur, il n'est pas chrétien d'une église de la sainte doctrine. Mais il dit à sa femme, quand il rentre dans la Bible, il voit que les mains ne sont pas bonnes. Il dit à sa femme, il faut te dépouiller, il faut enlever les mèches. Il faut enlever les chaînes. Il faut enlever tout ce qui est à toi. Attends. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu entends bien ces paroles-là. Le monsieur en question qui l'évangélisait n'est pas dans une église de la sainteté. Il n'est pas dans une église de la sainte doctrine. Mais le monsieur, il dit à sa femme qu'il faut arrêter, il ne faut pas mettre les mèches, il ne faut pas mettre les boucles d'oreilles, il ne faut pas mettre les chaînes. Bien-aimé, on vous dit toujours, ouvre la porte, on vous dit toujours que les païens vont dévancer beaucoup d'enfants de Dieu dans le royaume de Dieu. Les premiers seront les derniers. Et la Bible dit quoi? Si le Seigneur te parle que tu ne comprends pas, la nature elle-même, là, est-ce qu'elle ne vous enseigne pas? On ne peut pas aller couper mangue si goyavier. Ça ne peut pas faire. Ce n'est pas possible. Gloire à Jésus. Bien-aimé, si aujourd'hui même le monde même, regardez pendant qu'il est en train de parler, vous souvenez quelque chose. Même à la justice, allez-y, vous allez voir. Parler de la justice. Il y a un tableau qu'ils ont mis. On ne rentre pas avec personne. On ne rentre pas avec brames. On ne rentre pas avec culottes. On ne rentre pas avec vêtements pétés. Il y a des chaussures, on ne rentre pas avec ça là-bas. Mini-jupe, on ne rentre pas avec ça là-bas. Mais pourquoi le monde connaît ça là? Et puis toi, tu es enfant de Dieu, tu n'es pas du dépouillement, tu raisonnes. Vous raisonnez. Vous dites que l'église là, c'est pas bonne église là-bas, on ne porte pas caleçon. C'est ça qu'ils ont dit. Que chez nous ici, on ne porte pas caleçon. Moi, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Mais ce qui me plaît là, c'est que. Mais c'est normal. Je suis venu nu, non? Je suis venu nu. Bien aimé, le témoignage que l'homme de Dieu n'entend de rendre là. Il faut que chacun de nous puisse prendre sa part. Il a parlé du monsieur, il a dit, vous avez vu que, je vous ai dit ici que, le Seigneur m'a révélé comme ça que, il y a des serviteurs de Dieu dans les familles là. Il y a des adorations qui les font reculer. Moi et lui, on ne s'est pas vu même. On ne s'est pas vu, hein. Mais ce que l'antenne dit là, vous voyez que ça tombe même chose avec ce que je suis en train de vous dire. C'est la même chose. Dans leur famille là, vous voyez, les démons guéris là, c'est des démons du sang. Et c'est des démons, quand ils sont dans la vie d'une personne, tant que la personne, soit le sang n'est pas versé, ou bien il n'a pas fait une bagarre. Vraiment rude. Regardez comment les démons rendent l'homme esclave. Le monsieur s'en va, ça veut dire que il faut que s'il n'a pas pu frapper sa femme là, il faut qu'il soulève, ça veut dire, il cherche un bois qui est lourd. C'est le démon là qui fait ça. Regardez, l'homme est devenu comme l'homme esclave des démons. Et aujourd'hui, nos parents, nos frères, nos soeurs continuent encore d'adorer ces choses, ces idoles. On continue. Lui, il est gorgé. Mais c'est normal. C'est toi qui faisais les victimes pour donner aux démons. Oui. Et tant que ce dernier n'a pas rentré dans une église pour chercher la délivrance,
un matin là, il va soulever bois et puis ils vont déposer sur lui. Continue bien aimé. Donc c'est comme ça, ça s'est passé. Donc il disait, voilà, il disait à la femme de se dépouiller. Et moi, comment on appelle, il les exhortait, je dis que non, et puis tu es en train de dire cette vérité. Et monsieur, il dit qu'il partait dans une église, dans une communauté, il voulait véritablement se donner à Jésus de Nazareth. Et voici que quand il va dans l'église, on dit comme lui et toi là, quand il va là-bas, on dit pour prier pour toi, il faut donner 2000. Aïe. Pour prier pour toi, il faut donner 2500. Il faut. Continue. Il faut donner 5000. Alors, le plus dangereux, c'est que si tu n'as pas donné ce qu'ils ont demandé, si les autres ont donné le dimanche prochain, ça te fait une dette de 5000 francs ou bien de 2500. Donc ça fait même la partie peut taper jusqu'à souvent à 15 000. Il n'a pas les moyens pour pouvoir solder, pour pouvoir payer. Alors voilà comment lui s'est retiré. Quand il s'est retiré, il a dit avant même de se retirer, il a dit comme ça que mais nous on va chez les féticheurs. Les féticheurs, avant de les consulter, ils nous disent d'envoyer telle somme. On doit envoyer avant qu'on ne soit consulté. Attends, donc il y a une communauté où ils partaient. Voilà. Pour faire quoi? Pour faire les prier pour eux. Pour, on donne 2000 francs, mais 5 000. Si on dit 5 000 francs, c'est ça qu'ils doivent donner. Si tu ne veux pas, ça fait une dette. Vous avez entendu? Vous entendez? Aujourd'hui, la parole de Dieu que le Seigneur a dit, dans l'une de Matthieu, que vous avez reçu gratuitement, donné librement. Aujourd'hui, ce n'est plus gratuit. On paye la prière, on paye la délivrance. Si on prie pour toi, c'est comme une dette. Si on prie pour toi, que tu n'as pas eu l'argent, on prie. Et puis on écrit ton nom dans le cahier. Tu dois les gens, tu dois prier 5 000. Tu dois prier 2 000. Les enfants de Dieu, ouvrez vos yeux dans votre entendement bien. Ouvrez bien vos yeux dans les églises où vous vous trouvez. Et puis on vous dit, j'ai reçu tant. Faut faire tant d'abord là. Sortez de ces églises-là. Parce que c'est des églises de la mort. Alors quand ça se passe comme ça, il dit, lui s'est retiré et sa femme est restée. Donc sa femme est là. Elle va à tout moment, elle vient. Elle dit 2500. Il dit, bon, il dit 2500. Ça allait déjà à 15 000. Elle dit, mais madame, attends, c'est petit chemin. Elle revient à la maison, tu vas t'asseoir. Et de là-bas, on lui a dit qu'on enlève les boucles d'oreilles. Et c'est les petits là, on peut mettre. Voilà. Les boucles d'oreilles n'est pas bon, mais c'est les petits là, on peut mettre. Et lui a demandé, mais est-ce qu'ils t'ont parlé du dépouillement des boucles d'oreilles? Elle dit non. Et on nous a dit que c'est les gros là qui ne sont pas bons. Mais c'est les petits là, ils sont en tout cas, qu'on peut mettre. Il dit, avec le Seigneur, il n'y a pas de petit péché. Quand vous portez ça là, devant le Seigneur, vous êtes esclave. Tu ne peux pas monter au ciel. Alors, il les a exhortés pour les encourager afin de se dépouiller réellement. Hier même, pendant la pluie, je me suis apprêté, je les ai donné rendez-vous à 17h pour aller là-bas, dans le campement. Et alors que je me suis apprêté pour partir, voici que je suis descendu. Il a commencé à pleuvoir, papa, après je suis rentré dans les pluies. Jésus, c'est ta volonté de que la pluie soit, que je puisse partir. Et c'est temps la pluie a cessé. Mais la pluie a cessé, je suis parti. La nuit, je suis là-bas. Je me suis entretenu avec eux selon la Bible. Il est construit beaucoup de choses. Le Seigneur a fait grâce. Il ouvre beaucoup de choses. Ah, en tout cas, le monsieur me m'accompagne jusqu'au village. Le Seigneur a fait grâce. Donc, ils ont décidé même, demain encore, on a eu rendez-vous à 17h. On est parti là-bas pour prier. Pour nous encourager, nous qui sommes ici, les enfants de Dieu, on va sortir. On va véritablement sortir. C'est pas où on est là qu'on va seulement évangéliser. Même dans les campements, dans les villes, partout, on va monter. Le Seigneur passe à sa prophétie, ce qu'il a dit est réel. Il dit la servitude de ses enfants qui sont dans les pubs, mais il faut nous pour avoir beaucoup d'âmes. Donc pour vous exhorter, pour dire, nous devons sortir, que tu sois enfant, que tu sois papa, on doit sortir pour annoncer Jésus. En esprit et en vérité. Ce que le Seigneur a dit, c'est vérité. Donc vraiment, que le Seigneur nous bénisse. La grâce de Dieu soit à ta paix. Amen, 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 amen. Alors, alléluia. Amen. Il a parlé de. Elle a dit qu'on dit Jésus là-bas, on peut mettre les boucles d'oreilles pétillées. Je cherche un drap blanc pour faire quelque chose. Maman, est-ce que tu n'as pas de truc blanc là-bas? Qui a une pochette blanche? Donnez-moi ça. Toi, ta pochette, pardon, mon frère. Ah. Je vais vous montrer quelque chose que le Seigneur m'a montré. Il faut filmer ici. Dis ça. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien. Il n'y a pas de petit péché, hein. Attends ça. Ça, c'est quoi? C'est tout blanc, non? Quand tu portes un habit blanc, hein?
tout le monde, dès que tu sors même à combien de kilomètres, automatiquement les yeux sont braqués sur toi. C'est pas ça? Vous voyez comment c'est bien blanc? Homme de Dieu, viens. Attention. Vous voyez comment c'est blanc? Ça, ça symbolise la sainteté. Le corps de l'homme, hein? L'âme de l'homme. Alléluia. Dans ce drap blanc là. Dans ce drap blanc là, regardez. Regardez quelque chose. Suivez, soyez. Regardez dans ce drap blanc là. Vous allez voir. Là, regardez ce petit. Pardon, casse comme ça. Vous avez vu ce ça là. Voilà. Qu'est-ce que ça a fait dans, la, dans, dans le drap blanc? Ça fait quoi? Ça, fait, ça a changé la couleur, c'est pas ça? Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit même plus? C'est pas lui là, on voit. Grand blanc là, ce n'est pas là. C'est pas petit là qui est ici là. C'est si ça là, ils vont te juger. Ça là, c'est pas, il n'y a pas de petit péché. À cause de lui là, on voit plus la couleur. Non, mais c'est ça. Alléluia. Fais attention, il n'y a pas de petit péché. Le péché là, c'est à cause de ça, elle dit petit bout d'oreille. Si tu as porté habit tout blanc, qu'il y a petit sauce grec qui a touché, je t'assure que au moment où tu l'as passé là, ce n'est plus blanc là, ils vont voir. Vous dites, mais elle est bien habillée, mais regardez, il y a tache dans son habit. Il y a tache. Tache là, souvent va gâter. Petite tache, d'après vous-même, petite tache là, ça a gâté grand blanc. Il n'y a pas de petit péché. Péché, c'est. Alléluia. Toujours témoignage. Le témoignage est terminé. Voilà. Nous allons donner le nom du Seigneur. On va dire merci. Puis on va recommander ces différents témoignages. Merci éternel Dieu de miséricorde, merci Dieu de toute grâce, merci Dieu de toute compassion. Sois glorifié, sois élevé, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ok, nous allons passer maintenant à l'adoration. Voilà. À l'adoration. Et voici le temps est arrivé maintenant où tu vas te disposer. Tu vas prendre une position d'humiliation. Hein? Mais tu vas t'agenouiller, tu vas te toucher. Tu vas adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Tu es Yahweh. Alpha, Omega.
Merci que tu es merci que tu es venu que le Dieu dans le monde de la vie est venu Jésus, jamais changé. Oh Jésus, Seigneur Jésus, nous te bénissons ce matin. Toi qui es vivant, Jésus. Toi qui nous protèges, Jésus. Toi qui nous tombe sous tes yeux. La santé, la paix, Jésus. Gloire à ton éternel. Merci Yahweh, le fait de moi. Jésus de Nazareth, le fils d'Abraham. Merci Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, Éternel Dieu, merci Jésus, le fait des voix, le lion conquérant la tribu de Juda. Merci Yahweh, le fait des voix, le lion conquérant la tribu de Juda. Merci Jésus, toi qui n'as jamais changé, à ton aide le fait des voix. Seigneur Jésus, toi qui es tellement en bas, Seigneur, en tournant à nous, Jésus, laisse ton Seigneur l'éternel, son rendez-vous. Seigneur, assurez-le rendez-vous, la sorcellerie, Jésus, chez chacun qui a dévoré. Mais Seigneur, ne permets pas que nous soyons touchés. Il ne permet pas que notre vie soit dérangée. C'est ainsi, Jésus, nous te bénissons. Nous rendons grâce, merci. Jésus, merci. Parce que tu es vivant. À toi la délivrance, Jésus. C'est toi, Seigneur, qui nous relève. Seigneur, de venir. Cet esprit devant l'ennemi. Nous ne sommes rien. Jésus, devant l'ennemi. Nous ne sommes que Seigneur des animaux. Seigneur Jésus, qu'il peut voir et dévorer. Mais Seigneur, avec toi, nous avons de la force. Nous avons Jésus de puissance, nous avons Jésus de l'espoir. Jésus, tu es notre panier, tu es notre puissance, Jésus. Tu es notre Seigneur protection. Tu es notre Seigneur Jésus, tu es notre vie. Tu es la porte, Seigneur Jésus-Christ de notre vie. Tu es la maison, Seigneur Jésus-Christ de notre vie. Tu es celui, Seigneur, qui nous cache. Qui nous cache. Il n'y a pas de Dieu, Saint-Esprit, il n'y aura jamais de Dieu. Saint-Esprit, Jésus-Christ est véritable pour moi. Jésus-Christ est véritable. Jésus est véritable. Nous t'adorons ce matin. Parce que tu es vivant. Nous t'adorons ce matin, Jésus. Parce que tu n'as jamais changé, tu es Dieu de grâce, le Dieu de compassion, Jésus. Merci, toi qui guéris, toi qui guéris, toi qui as dû les profils, toi qui mords, toi qui te charmes, je te bénis, je te rends la gloire, je te dis que tu es à Dieu. Merci pour toute sa présence parmi nous. Béni sois tu Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bénédiction. Nous bénissons ton nom, Yahweh. Nous te bénissons, Jésus, ton nom. Merci, Yahweh, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Isaac, de Chabra, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Je te rends grâce. Jésus, merci. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur. Merci à toi. Gloire à toi, Seigneur. Tu vas passer un moment de silence à penser à la personne de Jésus-Christ et toi-même.
tu vas te tenir du mot, tu vas acclamer le Seigneur. Jésus, 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 Mon frère dans la foi, il va prendre la parole, il va nous donner, il va nous donner la parole, il va nous donner la parole. Et tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être acclamé, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Tu es digne d'être acclamé, acclamé. Tu es digne, oh, tu es digne, papa Jésus. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne, Jésus, tu es digne. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne d'être glorifié. Papa Jésus, tu es digne, tu es digne d'être glorifié, glorifié, tu es digne, tu es digne, Papa Jésus, tu es digne d'être glorifié, tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être glorifié, tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne. Jésus nous m'a mis. Ah non, maman. Anati. Jésus a dit Anati. Jésus a miné. Jésus a miné. Amine. Jésus a miné. Amine. Yes, vous mouillez. Alléluia. Amen. Acclame le roi des rois. Alléluia. Bien aimé, si tu n'as pas Jésus, pour toi, il est. Alléluia. Amen. Ta vie est ouïa, ouïa, ouïa. Ta vie est ouïa, ouïa. Si tu n'as pas Jésus, ta vie est ouïa, ouïa, ouïa. Ta vie est ouïa, ouïa, ouïa. Ta vie est ouïa, ouïa. Si tu n'as pas Jésus, oh, ta vie est ouïa, ouïa. Ta vie est basa, basa, basa. Ta vie est basa, basa. Si tu n'as pas Jésus, ta vie est mélangée. Ta vie est basa, basa, basa. Ta vie est basa, basa. Si tu n'as pas Jésus, ta vie est mélangée. Ta vie est lé, 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 lé. Ta vie est lé, 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 lé. Si tu n'as pas Jésus, ta vie est lé, 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 lé. Ta vie est lé, 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 lé. Ta vie est lé. Si tu n'as pas Jésus, ta vie est lé, lé, lé. Ta vie est ouïa, 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 ta vie est ouïa, ouïa. Si tu n'as pas Jésus, ta vie est ouïa, ouïa, ouïa. Ta vie est ouïa, ouïa, ta vie est ouïa, ouïa. Si tu n'as pas Jésus, ta vie est ouïa, ouïa. Alléluia. Si tu n'as pas Jésus, là, tu es foutu. Alléluia. Amen. Celui qui n'a pas Jésus, il est le plus caou au monde. En vérité. Vous savez pas ça. La vérité. Vous savez pas ça. Amen.
L'homme le plus hier, c'est celui qui a Jésus dans sa vie. Vérité. Pourquoi? Pourquoi? Les gens qui parlent nous ici, qui sont assis à Djamé là, et disent qu'ils sont hier. Or, un chrétien qui a l'esprit de Dieu là, la Bible déclare, avant que ce monsieur même, qui s'appelle l'esprit gars, qui s'appelle nous ici, ne va exister, l'esprit de Dieu était déjà là. Amen. Hey! Mais attends, mais oh, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui, oh l'esprit de Dieu là, il connaît les profondeurs. La parole de Dieu dit, une fourmi noire, qui est sur un caillou noir, dans une forêt noire, en train de marcher à minuit, Dieu voit la fourmi en train de marcher. Ah! Mais, toi tu as l'esprit de Dieu en toi là. Toi aussi tes yeux là, c'est les yeux de l'aigle. L'aigle là, il est en haut là-bas, mais il voit les fourmis là marcher sur la terre. Et toi-même tu marches, tu vois fourmi. Et tu peux voir fourmi même comme là. Alléluia! Lui qui n'a pas Jésus, il est gaou. Le plus hier est là, c'est celui qui a Jésus. Souvent, quand les gens ils croient des chrétiens et puis ils font des trucs de chrétiens, le réel quand ils parlent pas, hein, ils disent, oh là c'est un gaou. Ok, le chrétien là, déjà il t'a déjà étudié, avant qu'il va te croiser là, le Seigneur lui a déjà dit, tu vas croiser un gars qui a porté habit orange noir et puis pantalon noir. Il a mis un débardeur blanc dedans. Quand tu vas le croiser là, voici les paroles qu'il va te dire. Déjà là, je sais, c'est je te connais. C'est pourquoi Jésus a dit à Jérémie, avant que tu ne vas venir au monde, moi l'Éternel, je connaissais ton nom déjà. Amen. 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 Depuis tu as dit un chrétien, c'est un gaou. Jamais. C'est toi, mais tu n'as pas Jésus là, c'est le plus gaou. Vérité. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas Jésus là, et puis quand tu n'as pas Jésus, tu marches comme un fou. Tu marches comme un fou. Ah, vérité. Gloire à Jésus. Amen. Hier, maman Esther, on était en train de faire un enseignement sur la boisson. Pourquoi on dit aux gens de ne pas boire? Et puis les gens disent que non, Dieu dit on peut boire. Ils n'ont qu'à venir me montrer où j'ai écrit ça. Quand le Seigneur a. On va travailler sur ça. À cause des boissons, Noé a maudit son enfant. À cause des mêmes boissons là encore là. Les enfants de Lot, ces deux filles, ils ont saoulé les papas et puis elles sont allées sortir à lui. Mais c'est l'inceste. Et ça arrive à cause de quoi? À cause de la boisson. Vous avez vu? Et vous allez dans des points, vous dites, ah, vous ne pouvez pas être. Hey, attention. Attention. Alléluia. Asseyez-vous les bien-aimés que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur se souvienne de vous. On va prendre Genèse chapitre 6. Vous voyez, je vous ai dit la dernière fois que le thème de mon message là, il y a des gens qui avaient déjà vu ça. Alléluia. Donc le thème de mon message, c'est faire tout pour épargner à la grande tribulation. Mon béni, il faut passer ici. Il faut tout faire. Faut tout faire. Faut t'arranger. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais arrange-toi. Tu vas fuir, tu seras enlevé. Faut faire tout possible. Gloire à Jésus. Pour que tu sois en. Genèse chapitre 6. On commence à partir du premier. On va baisser la tête d'abord. Éternel, grand Dieu, grand roi, tu es bon. Seigneur, tu es tellement bon que lorsque un seul de tes enfants se perd, tu déploies le roi des cieux afin que ce dernier revienne à la bergerie. Tu as dit dans ta parole que si une personne avait 100 brebis et qu'il perdait une seule brebis, ne va-t-il pas laisser les 99 pour aller chercher la seule brebis? Seigneur, regarde comment tu t'es manifesté. À cause de combien de milliers de personnes sur la terre, toi, ce qui es descendu pour venir pour payer notre prix à la croix. Seigneur, voici le moment arrivé. On va entendre tes merveilles. On va entendre ta parole. Il faut que nos âmes soient nourries pour que, Seigneur, au jour de la grande tribulation, Seigneur, mon Dieu, nous soyons épargnés. Éternel, ouvre les entendements. Que tout ce qui est esprit d'assoupissement, sommeil spirituel, je prie que ce soit pas vaincu au nom de Jésus. Amen. Je paralyse le sommeil spirituel au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je paralyse le sommeil spirituel au nom de Jésus. Amen. Maintenant, j'entends que, Seigneur, tout le monde soit à l'éveil maintenant. Seigneur, enlève tout masque. Enlève tout ce que, Seigneur, mon Dieu, est sommeil dans les yeux de tes enfants.
Maintenant, tout le monde soit en éveil pour écouter la parole de Dieu. Que toutes ces quelques distractions soient vaincues au nom de Jésus. Que toute la terre fasse silence. Comme tu l'as dit dans le livre d'Habacouc. Il a dit, lorsque l'Éternel parle, toute la terre fait silence. Éternel, tu vas nous parler. Que la terre fasse silence ici. Et que ton nom se soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. Genèse chapitre 6. Donc il a dit, faites tout pour épargner à la grande tribulation. Genèse chapitre 6. Allons-y. Lisez Genèse chapitre 6. À partir du verset 1, on dit, allons. Et puis quelqu'un d'autre. Frère Barabbas, toi tu vas prendre le livre de Genèse 19, verset 24, et puis après on va prendre Apocalypse qui est terminé. Voilà. Allons-y, Genèse chapitre 6. Genèse 6. Oui, allons-y, Fouli. Je lis la parole de Dieu avec respect. Au nom de Jésus. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, et que les filles leur furent nées, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu, dirent que les fils des hommes étaient belles, et ils les prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Non, c'est pas ça. Réponds le verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent. Voilà. Et maintenant tu as bien lu. Ils en prirent. Voilà. Pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Oui. Allons-y. Alors, l'Éternel dit. L'Éternel dit quoi? Mon esprit ne resta pas. Non, c'est pas ça. Reprends. L'Éternel dit, mon esprit ne restera pas. Voilà. Mon esprit ne restera pas. À toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair. L'homme n'est que peau. Et ses jours seront de 120 ans. Ton chaos, ton lâche là, ça sera 120 ans. Continue. Le géant était sur la terre. Les géants étaient là sur la terre. En ce temps. Oui. Là, et qu'est-ce qui s'est passé? Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Les anges sont allés coucher avec les hommes. Et qu'elles les eurent donné des enfants. Donc fait enfant avec les fils de, les filles ce des hommes. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Vous entendez parler des géants, des Goliaths, tout ça, la télé race. Allons-y. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande. L'Éternel a vu que la méchanceté des hommes était tellement grande. Sur la terre. Sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient. Les pensées de leur cœur se portaient où? Chaque jour uniquement vers le mal. Tous les jours là, c'était la méchanceté seulement. Les cœurs la respiraient ça. Alors, l'Éternel se rendit, se répandit. L'Éternel se répandit. Je vais jouer mes paroles là, il faut bien lire ça. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre. Attends, quand on dit que quelqu'un se répand, ça veut dire la personne fait quoi? Il demande plus que ça. Il demande pardon, mais on appelle ça pour la peine de quoi? Il regrette. Aïe, comment Dieu peut s'asseoir et puis il peut regretter pourquoi il a créé l'homme? Pas Barabbas. Comment Dieu peut s'asseoir là et puis il regrette pourquoi il a créé Barabbas? Et toi, t'es foutu. Il t'a déjà jugé comme ça. Pas Moïse. Dieu dit. Toi, elle t'a couché la vie, tu attends une voix qui te dit, je regrette Moïse de t'avoir créé. Hé! Hey! Ça, là, il n'y a pas parlé en langue de l'homme. Vous voyez, il y a des hommes même sur la terre, là, déjà, eux-mêmes reconnaissent où ils vont partir, déjà. Eux-mêmes se sont déjà jugés. Sans que Dieu ne les juge d'abord. Lui-même, il sait que où il est arrivé, là. C'est fini. Continue. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Oui. Et il fut affligé en son cœur. Il a mal aimé.
Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre. Quand Dieu dit, va exterminer de la face de la terre, il dit, va faire quoi? Ça, il dit quoi? Je vais exterminer. Il va détruire. Oh. Ça dit, rien ne va exister encore sur la face de la terre. J'exterminerai de la face de la terre. Oui. L'homme que j'ai créé. L'homme que j'ai créé. Depuis l'homme. Depuis l'homme. Bétail, jusqu'au bétail. Aux reptiles. Aux reptiles, les serpents. Aux oiseaux du ciel. Et jusqu'aux oiseaux même. Je me répands. Le Seigneur dit se répand. De les avoir fait. Ah. Allons-y. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Non, c'est bon là-bas. C'est bon, que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, on a dit, fais tout pour épargner à la grande tribulation. Vous voyez, quand Dieu a créé le ciel et la terre, le Seigneur Jésus, il va créer l'homme à son image. Et Dieu va déposer l'homme où? Dans un jardin. Alléluia. Amen. Dieu va mettre l'homme dans ce jardin-là et Dieu va lui dire, ce jardin-là, tu peux manger tout ce que tu veux, les hommes. Tu peux cultiver ce jardin, faire ce que tu veux. Mais attention à toi. Il y a un arbre auquel il ne faut pas toucher ses fruits. Parce que le jour où tu vas toucher ça là, mon ami, tu vas mourir. Gloire à Jésus. Que l'arbre là s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. Mais le jour que tu touches son fruit net, tu es mort. Bien-aimé, il y a plusieurs personnes qui ont interprété le fruit défendu. D'autres disent que le fruit défendu, là, c'était le sexe. Que c'est parce que Adam est parti, sortir un, que, comment on appelle ça là? Hein? Qu'il a péché. Mais bien-aimé, c'est pas le sexe. Hein? Quand Dieu a créé Adam et Ève, là, Dieu a fait quoi? Dieu les a bénis. Quand on bénit quelqu'un, là, ça veut dire qu'on a fait quoi? On a donné une opportunité, on les a mariés. Mais Adam, là, Dieu a enlevé le corps de Adam pour créer Ève. Ça, c'est la dot qu'il a payé pour Ève. Amen. Ah, bon. Il a payé la dot de Ève. Il a contre Adam pour payer dot d'une femme. La dot, il prend son argent pour aller payer les choses pour donner. Il a enlevé sa porte là pour payer, pour fabriquer Ève. Donc c'est sa femme, c'est sa dot. Et Dieu lui a dit, soyez fécond, multipliez et ramassez la terre. Mais où est le péché qu'elle est dedans? Mais s'il va à sa femme là, où est le péché qu'elle est là? Les choses, appelons les choses par leur nom. L'âme de la connaissance du bien et du mal là, c'est Lucifer lui-même en péchant. C'est son fruit, c'est le péché. Et il y a un âme qu'on appelle l'âme de vie. On dit l'âme de vie là, si tu manges là, tu ne meurs plus. Mais c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est éternel. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Le diable a vu que lui là, son gouvernement là est tombé. Alors il va faire quoi? Il va passer par le serpent. Et le serpent étant le plus rusé, quand quelqu'un est rusé, ça veut dire qu'il est trop malin. Il est malin. Et lui maintenant, il va faire quoi? Il va venir maintenant pour aller vers la femme. Et il va mentir à la femme. Et la femme va faire quoi? Alléluia. Et la femme va prendre du fruit et elle va manger. Elle a tellement convoité le fruit. Vous voyez, chaque matin, la femme, là, elle passe devant. Ah, là, elle fait comme ça. Elle touche le fruit, là. Elle veut prendre. C'est joli, là. Attends, moi. Elle touche. Qui? Ça brille, oh. Et puis, elle s'en va. Le soir, encore, elle vient. Elle touche le fruit, là. Elle dit, hé, c'est joli, hein. C'est là, Satan a regardé son intention. Il dit, attends. Elle allait dire à la femme, mais est-ce que Dieu vous a dit réellement de ne pas manger? Regardez ce qu'il m'a dit. Dieu vous a réellement dit. Là, il dit, Dieu ment. Quand quelqu'un parle et puis il met réellement dedans, là, ça veut dire que toi, quand ils sont là, pas de toi, là, tu mens. C'est comme ta parole n'est pas juste. Donc, il a déjà envoyé le mensonge déjà. Il allait blâmer Dieu devant l'homme. Hein. Il s'en fait coup d'état devant l'homme. Et il pense qu'il va faire coup d'état maintenant pour avoir l'homme. Donc, c'est ce qu'il allait faire. Et quand il a dit à la femme dit oui. Dieu a dit, si on mange, on va mourir. Avant que quelque chose va t'arriver là, Dieu t'avait dit d'abord. Avant que quelque chose va arriver, Dieu va t'avertir. Aujourd'hui, on est en train de parler de la fin des temps. Dieu est en train d'utiliser même les enfants à la mamelle pour parler de la fin des temps.
Et si tu ne te laisses pas avertir, pour que toi-même tu changes de comportement, bien-aimé, au jour de l'enlèvement, tu ne seras pas enlevé. Alléluia. Amen. Et voici que l'homme et la femme vont manger de ces fruits-là. Ils vont pécher. Et ils vont se découvrir étant nus. Or, quand tu lis dans Genèse 2, le verset 25 là-bas, Genèse 2, verset. Oui, verset. On dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient point honte. Mais moi, Moïse, avant, nous deux, on ne parle pas car ils sont même. On est pour eux, même, on est dans le jardin. On est 0-0. Mais on n'a pas honte. Mais oh, pourquoi maintenant, nous deux, on a fait quoi pour savoir qu'on n'a rien porté? Maman, c'était. Avant, nous deux, on a arrêté dans le jardin, on n'a rien porté. Mais on n'a pas honte. Mais comment maintenant là, on a fait pour savoir qu'on est devenu nus, nous deux là, on n'a rien porté. Et puis, il y a qui à côté de nous, et puis après ça, on a honte. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Parce que, en fait, il n'y avait pas l'homme à côté d'eux. C'est les animaux. Attends, donc là, tu as honte d'enlever. Donc, si poulet là, parce que toi, tu veux venir là. Poulet là, on a qu'à passer d'abord. Poulet va passer, il est venu. Poulet là, il va te faire quoi? Mais ce qui a envoyé, comment l'homme et puis sa femme, la même chair, ils peuvent avoir honte, les deux là, ils ont honte, lui, Adam a honte de sa femme, et pourquoi? Pourquoi? C'est parce que l'esprit de Dieu qui était en eux est quitté après la désobéissance. Donc quand tu désobéis à la voix de Dieu, le Saint-Esprit quitte en toi. Et quand le Saint-Esprit quitte en toi, tu deviens nu. Et quand tu deviens nu, il faut savoir que la honte là-bas venue sur toi forcée. Parce que les mêmes démons que tu les as chassés là, ils vont aller se multiplier par 7. Avant là, tu buvais 20 de coutoukou, maintenant tu as à boire 14 verres. Oui. Oui. Et aujourd'hui, on le voit. On le voit à nos yeux. Des gens qui sont venus ici, pour dire le Seigneur m'a montré l'enlèvement. Ils ont vu, mais ils ne sont pas venus. Ils ont pleuré pour aller réveiller mon frère Moïse. L'homme de Dieu Moïse est en train de dormir. Hein? Il dort même, le Seigneur est en train de se révéler à lui. On sent taper sa porte à 3h, 4h. Vous dites, et puis tu pleures. Il y a vu l'enlèvement. Il y a vu l'enlèvement. Tu as vu l'enlèvement. Tu es à quel endroit maintenant? L'enlèvement que tu as vu dans ta vie, d'aller t'asseoir dans les discours avec. Aujourd'hui, la personne a sa dose à multiplier. Parce que quand vous chassez les démons, je vous dis quelque chose. Quand vous chassez les démons, arrangez-vous pour ne plus quitter dans la voie de Dieu. Arrange-toi. La grande tribulation. Hein? Ceux qui n'ont pas accepté Jésus, pour eux, là, sera moins. Plus que ceux qui ont accepté Jésus et puis ne sont pas partis. Ah là, ils ne vont pas te louper. Si tu veux, faut être séma, faut être catholique, faut être assemblé de Dieu, faut être Jésus et Dieu, faut être ambassadeur de Christ, faut être Christ ambassé, faut être royaume unique, faut être témoin de Jéhovah, Jéhovah des témoins, faut être céleste, christianique, faut être christianique, terrestre. Tout cela, faut être ça, je t'assure. Faut être en Gédéon, là, tout va. Faut t'arranger. Tu vas rentrer au ciel. Si tu n'es pas rentré au ciel là, les démons actuellement, ils sont en train d'enregistrer tout ce qu'on fait là. Mais ceux même qui vont les piller là, c'est Jésus le Dieu. Parce que là-bas, là, Jésus le Dieu là. C'est Jésus le Dieu qui fait que Lucifer lui-même là, il se manifeste. Il parle. Il parle bien comme ça. Il parle. Il dit, lui qui sort de Jésus le Dieu, s'il t'a attrapé là, tribulation là, pour toi là, quand il va venir là, il sait pas tes oreilles, il va commencer là. Ah voilà, si tu n'es pas attendu, il va couper. Mais c'est qu'il va te faire là. Et puis au moins il est là, te faire ça, il va te montrer la vidéo où tu as dit Lucifer. Lucifer, tu as volé quoi? Il a volé tes oreilles, tu vois. Alléluia. Gloire à Jésus. La grande tribulation, ça a chaud, ça a fait pitié. Sors, feu. Pardon. Si tu mets feu là, il faut t'arranger. Si tu vas aller au ciel, sinon il n'y a pas l'eau pour éteindre ça. Gloire à Jésus. Amen. Regardez. Dieu s'en va mettre les gens là-bas.
Voilà, la vie est facile comme ça. Mais s'il veut, le yaou de Madame Franck, là, quand il fait comme ça, pour yaou là, il boit. L'homme dit, lui, il ne veut pas ça. Que lui, il veut que vous, on fait comme ça. Regardez l'homme. Il dit, c'est ça, lui, il veut. Oh, Dieu n'a pas créé pour que tu souffres de la sorte. Le Seigneur nous a créé pour qu'on fasse quoi? Pour qu'on reste dans ce jardin, pour cultiver ce jardin. Mais nous, on a préféré faire quoi? On a préféré rentrer dans les zones du péché. Et c'est dans cette zone du péché là qu'aujourd'hui on souffre. Et regardez qu'après ce temps, qu'est-ce qui va se passer? Voici que le Seigneur va chasser l'homme. Et l'homme maintenant va aller se développer sur la face de la terre. Maintenant, voici que les anges, vous-même là, écoutez bien cette parole-là. Hein. On dit les fils des dieux. Ils ont vu que les filles des hommes sont trop belles. Et puis ils ont pris pour femmes, ils ont les mariés. Les anges là, ce sont des anges déchus. Ce n'est pas des vrais, vrais anges. C'est ceux qui ont eu la rébellion à Lucifer. C'est eux. Eux, ils sont venus là. Des femmes comme ça, physiquement là, eux, ils veulent. Mais comme ce sont des anges déchus, il n'y a pas de bon comportement en eux. Donc, ils sont venus, puis ils ont pensé à prendre les femmes, ils ont fait des enfants avec eux. Et ces enfants-là, c'est eux maintenant qui sont des démons en chair. Ce sont des entités, des groupes, des Philistins, Goliath. Ils sont devenus des géants sur la terre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisque ils ont désobéi à la voix de Dieu. Maintenant, ils ont commencé à faire le mal sur la terre. Et c'est là que Dieu va regretter en lui-même, bien aimé. Le Seigneur va regretter pour dire, je regrette d'avoir créé l'homme. Bien aimé, comment le Seigneur peut te dire, maman Esther, je regrette pourquoi il t'est mis au monde sur la terre? Mais si le Seigneur dit, je regrette de t'avoir créé, mais c'était mieux que toi, tu n'existais pas. C'était mieux que le jour où tu devais être là, tu mourrais à l'hôpital, c'est fini. Mais Dieu dit, je regrette. Et maintenant, parce que le péché est trop sur la terre. Bien aimé, aujourd'hui, les mêmes temps de Noé, là, c'est les mêmes temps qu'on est en train de vivre. Alléluia. Les mêmes temps de Noé, là, c'est les mêmes temps qu'on est en train de vivre. Allons-y dans Genèse 19, on va avoir quelque chose là. Allons à Genèse 19. À partir du verset 24, faut lire ça. Genèse 19, à partir du verset 24, dit quoi? Genèse chapitre 19. Donc, on commence, par, commence au verset 1, faut lire. Pour lire le verset 1, allons-y. Genèse chapitre 19, j'ai lu la parole de Dieu. Allons-y. Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir. Les deux anges sont arrivés à Sodome pour le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Mm-hmm. Quand Lot l'a vu, il s'éleva pour aller au devant d'eux et se prosterna. La face contre terre. Oui. Puis il leur dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous leverez le bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non. Mais les gens, il a dit non. Non, répondit-il. On ne dort pas chez toi. Nous passerons la nuit dans la rue. Mais nous, on va se promener dans la rue, dans la ville. On va se promener pour savoir ce que ce homme fait en vérité. On va voir clair dedans. Mais l'autre le fait ça tellement qu'il vint chez lui et entrait dans sa maison. Oui. Et il leur donna un festin et il prit des pains sans levain et il en mangeait. Verset 4. Oui. Il n'était pas encore couché. Il ne dormait pas encore. Que les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison. Depuis les enfants jusqu'au vieillard. Regardez, ils sont allés entourer la maison de l'autre. À cause des anges qui sont rentrés. Et vous savez ce qu'ils cherchent? Ils veulent coucher avec les anges. Toute la population était accourue. Il leur appelait Lot et lui dit, Où sont les hommes qui sont rentrés cette nuit-là? Là, ils ont vu les anges là. Où ils sont, ils n'ont qu'à sortir, ils vont voir clair dans eux.
fais-les sortir vers toi. Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. L'autre sortit vers eux et à l'entrée de la maison. Et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Au verset 8, voici, j'ai des filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amène. Je vous les amènerai dehors. Et vous les verrez ce qu'il vous plaira. Et seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Au verset 9, oui. Il leur dit, retire-toi. Et regardez les hommes. Retire-toi là-bas. Toi, t'es étranger, c'est toi qui as venu me voir chez nous ici. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger. Et il veut faire le juge. Ah. Eh bien, nous te ferons plus qu'à eux. Qu'à eux. Et pressant l'autre avec violence. Et il s'avançait pour briser la porte. Les hommes étendus la main furent rentrés l'autre vers eux dans la maison. Et fermaient la porte. Oui. Et ils frappaient d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Les gens, ils ont frappé d'aveuglement tout le village de Shalom et Gomor. Depuis le plus petit qu'au plus grand, tous sont devenus aveugles. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Là. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. De sorte qu'ils se donnaient une peine inutile. Et là, il faut qu'on a. Il faut qu'on a. Hein? Où est la porte là? Où est ça? C'est bon, on va. C'est la porte de l'autre qui va être. Pour trouver la porte. Au verset 12. Les hommes disent à l'autre, qui as-tu encore ici? C'est qui tu as dans ta maison ici? Gendre. Dans ce village-là. Fils et fille. Si même tu as tes filles là, elles ont des gars, elles ont des maris, pour les faire sortir. Et tu as des filles, petites filles, pour les faire sortir. Et tout ce qui t'appartient, tout ce qui t'appartient, c'est qui est dans, pour la, toi? Dans la ville, fais les sorties de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Ton péché est tellement grand devant Dieu, il va détruire la terre à cause de toi. Hein? L'Éternel nous a envoyé pour le détruire. Et au verset 14, l'autre. Non, attends, va directement au verset 24. Au verset 24, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du souffle et du feu, de par l'Éternel. C'est bon. Alléluia. Bien-aimé, après le déluge d'eau, Dieu avait détruit d'abord premier la terre. Alléluia. Et puis, quand il a détruit la terre, il est resté 8 personnes seulement sur la terre. Il est resté 8 personnes. Donc Dieu, il peut faire tout ce qu'il veut. Dieu, il est capable de détruire la terre. Il va rester une seule personne. Donc, il ne faut pas penser que c'est trop arrivé. Il faut chercher toujours la repentance. Il faut chercher toujours à changer de vie. Alléluia. Parce que ne faudrait pas que ce qu'on a, papa Barabbas a dit que, on dit on peut porter pour donner, mais c'est petit là, on peut porter. Il ne faut pas mettre gros, on a quand même petit. À cause des petits, ça la terre est là. Bien aimé, quand le Seigneur a détruit la terre, il est resté Noé, sa femme, ses trois enfants et puis les femmes. Les trois femmes. Ça fait 8 personnes sur la terre. Ils sont restés. Et c'est à partir de que la terre va commencer à se repeupler encore. Et quand la terre a commencé à se repeupler encore, voici maintenant encore des personnes qui vont aller maintenant commettre des abominations encore sur la face de la terre. Et le Seigneur va dire quoi? Il va aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais quand le Seigneur partait détruire Sodome et Gomorrhe, il est passé chez Abraham d'abord.
Il est passé par les chefs des Marie. Et il allait trouver Abraham. Abraham les a oppressés et Abraham les a fait manger. Et ils ont dit à Abraham que est-ce qu'on va cacher ce qu'on sent chez Abraham? Et ils ont dit à Abraham qu'on s'en va détruire Sodome et Gomorrhe parce que les péchés là sont trop. Mais Abraham avait commencé par demander pardon. Abraham a commencé à. Il vous dit, après la mort, il n'y a pas de repentance encore. Ah, il est donné à l'homme de mourir une seule fois. C'est après, le, après quoi vient le jugement. C'est quand il n'est pas encore mort, on peut plaider. Toi-même aussi, là, tu peux prier pour demander pardon à Dieu. Mais si tu es mort, là, c'est terminé. Il n'y a plus, je vous dis, il n'y a plus de repentance. Si on te plaque pour te dire la repentance, là, il ne faut pas croire. Au moment que l'homme, pourquoi Abraham était en train d'intercéder? Abraham intercédait parce qu'il avait une famille qui était à Sodome, qui était la famille de Lot. Et quand il a commencé à intercéder, il a dit, mais Seigneur, si tu vas à Sodome, que tu trouves 50 hommes qui sont justes, est-ce que tu vas détruire la terre? Dieu dit, il n'est pas détruit. Il dit, oh, peut-être qu'il est trop malin. Et 45 personnes. Il dit, je n'ai pas détruit. Jusqu'à, il vient, il y a 10 personnes même. Il dit, je n'ai pas détruit. Parce que le Seigneur sait qu'à Sodome, là, il n'y a pas 10 personnes qui sont justes. Sur la face de la terre, il y a combien de personnes qui marchent dans la graine de Dieu aujourd'hui? Et l'intercession qu'Abraham faisait là, c'est la tranche des églises. Ça parle des églises. Seigneur, si tu vas dans l'église de Jésus, le bien que tu trouves deux justes, est-ce que tu vas les détruire? Il dit, il n'y a pas les détruire. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas deux justes là-bas. Si tu vas dans les églises des démons, tu trouves trois justes, est-ce que tu vas détruire? Il dit, il ne va pas détruire. Parce qu'il sait que là-bas, là, il n'y a pas trois justes. Mais avec l'intercession que Abraham a fait, regardez, l'homme, lui, il a été sauvé à cause de quoi? Parce que quand Abraham sortait, où Dieu a donné la révélation à Abraham à 75 ans, c'est à 75 ans que Dieu a appelé Abraham. Et Dieu lui a dit, sors de ta maison, sors de ta partie, va là où il a été monté là. C'est là-bas que tu vas aller rester, tu vas m'adorer, tu vas me servir. Il a fait de toi une nation. Or, Abraham n'avait pas encore d'enfant. Mais quand il sortait, son neveu l'a dit, non, on ne voyait pas tes voix. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu vois ce que tu vois? Alléluia. Alléluia. Jésus. Regarde, ça veut dire quoi? Que si maman Rachel, elle acceptait Jésus et qu'elle est en train de venir suivre le Seigneur correctement, si c'est son enfant, si c'est son neveu qui est celui-là, comment il s'appelle là? Élisée. Et que Élisée décide de la suivre, à cause de ce que Élisée a décidé de la suivre, automatiquement il y a un lien qui va naître entre eux. Amen. Et quand ce lien-là va naître là, au grand jour, lorsque maman, elle a commencé à intercéder pour Élisée, le Seigneur est obligé de répondre. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien. Le Seigneur ne peut pas t'appeler son ami et puis il va permettre que toi, ta famille meure dans ça. Ceux qui se sont collés à toi, ceux qui se sont ralliés à toi, pas ceux qui se sont pas ralliés, mais ceux qui se sont ralliés à toi. Donc l'homme, lui, il a fui des hommes. Il dit non, mon nom, moi il est parti à toi. Il dit où? Je dis où on s'en va là-bas là? Souvent là, il n'y a pas à manger d'un. Souvent même pour gagner gratter, même pour manger, c'est dur. Hein? Ah, est-ce que tu peux partir? Il dit non, oncle, c'est pas grave, allons-y. Allons, allons, allons. Ils sont partis. Mais quand ils sont arrivés, voici que Lot se trouve à Sodome. Et Abraham, lui, maintenant, il est chez lui, en train d'intercéder. En train d'intercéder. En train d'intercéder. Et il intercède jusqu'à ce que les deux anges, là, quand ils sont arrivés à Sodome, ils sont en train de marcher comme ça. Hein. En même temps, directement, l'esprit de Lot a capté les deux anges. Oh, ils se sont fait hommes comme ça. Et ils se sont fait hommes. Ils se sont fait des hommes. Ils marchaient, ils venaient. Mais qu'est-ce qui a fait que l'autre a détecté que ce n'était pas des hommes? C'est l'intercession d'Abraham. Là. L'esprit qu'Abraham avait là. C'est ce même esprit qui est venu se révéler dans la vie de l'autre. Et il a dit à l'autre, ouvre tes yeux bien. Les deux personnes qui viennent là, reçois l'aide de toi. Parce que ça va dire de que toi tu seras sauvé.
Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est comme ça que Lot a eu cette connexion. Donc, la connexion qui était entre lui et puis Abraham, ça existait toujours, ce n'était pas coupé, le lien n'était pas rompu. Donc, les mêmes choses qui étaient dans Abraham sont revenues en lui. Et dès qu'il a vu, en train de parler, il a couru me parler. Pardonnez, venez, 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 venez. C'est là. Et c'est pas la même chose qu'Abraham a fait. C'est la même chose qu'Abraham a fait quand il a vu et venait. Abraham a couru parler vers eux. Abraham a couru pour aller vers eux. Et Abraham a fait quoi? Abraham a fait quoi? Abraham va presser les gens. Et il va dire aux gens, venez, 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 venez. Alléluia. Amen. Il va dire, venez, venez, venez. Venez, venez, manger, venez, manger chez moi. Venez, elle avec vos pieds avant que vous ayez parti. Mon frère, ma soeur, si un homme de Dieu vient chez toi, alléluia, amen, que tu as su le recevoir, le Seigneur ne va jamais abandonner ta maison. Vérité. Je ne parle pas des gens, eux tous les jours, ils viennent, c'est pour manger chez toi. Hein. C'est pas ça qu'ils parlent. Je dis, ils viennent, ta manière, c'est pas à manger, mais ta manière même de le, ça y est, de l'accueillir, de causer avec lui, de faire avec lui là. Avant qu'il s'élève là, il y a une parole qu'il prononce. Il y a une parole qu'il prononce. Il dit, Seigneur, tes enfants ne les abandonnent pas. Mais Abraham là, quand il s'est oppressé de faire ça, et qu'il a reçu les anges là, quand il a fini de faire toutes ces choses, quelle récompense ils lui ont donné? Ils lui ont dit, Abraham, on s'en va. Ta femme, elle n'est pas enfant. Mais l'année prochaine, dans la même date, ta femme qui est stérile, elle va avoir un enfant. Hey! Maman Sarah, elle est dans 80 et quelques ans. Et puis elle-même là, elle ne fait même plus manger. C'est là quoi ça elle y est là. Elle dit attends. Moi j'attends. Vous voyez, les scientifiques démontrent que à partir d'un certain âge, la femme atteint la monopause. Ça veut dire qu'elle ne peut plus faire enfant. Mais il y a vous dit que en Jésus, là, la monopause n'existe pas. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Maman Esther. Les médecins là, tu es d'accord avec moi qu'ils soignent les gens? Tu es d'accord avec moi qu'ils soient les gens. Mais est-ce que c'est eux qui guérit les gens? Le Seigneur m'a. J'étais en train de prier, puis le Seigneur a ouvert mon esprit sur quelque chose. Il dit, regarde, les médecins, ils soignent. Ils font des injections. Mais là, ça, c'est physique. Nous tous, on voit. Alléluia. Est-ce qu'on soigne l'homme, on ne voit pas? Hein? On voit, non? On voit. Quand on soigne, on voit. Quand on va faire les pansements, on voit, tout le monde voit. Mais de la manière la guérison vient, tu connais. La guérison, c'est spirituel. Il dit, la guérison, là, c'est spirituel. Mais pour soigner l'homme, c'est physique. Mais c'est spirituellement que la guérison vient. Donc lui, Dieu donne la guérison à qui il veut. Gloire à Jésus. Et ici, les scientifiques ont démontré qu'à partir de 45 ans, 50 ans, la femme ne peut plus concevoir. Mais le Seigneur a démontré que, avec lui Jésus, à 90 ans, on peut faire enfant. Acclame le Seigneur Jésus. Il n'y a pas de monopole avec Jésus. Alléluia. Il n'y a pas d'âge de monopole avec Jésus. Avec Jésus, là, même à 100 ans, on fait enfant. Vous vous souvenez de la dame Ouattara, qui n'avait pas de tronc? Quelqu'un qui était, il n'y a même pas lui trompe. Oh, les femmes, elles ont deux, au moins il y a une. Mais elle n'a rien, 0-0, mais elle est 0-0 même. Il n'y a rien même. Mais avec 0-0 là, elle a fait plus de 13 enfants. Parce qu'elle a vu Jésus. À chaque fois qu'elle prend votre mains de quelqu'un qui est dans son ventre, et après, toucher du temps. Entre mains de quelqu'un qui n'aurait plus de trompe, là, tu veux qu'elle. Maman est tellement qu'elle. Mets de quelqu'un couché dans ton ventre. Comme il est couché dans ton ventre. Et puis tu trompes la vie qu'elle. Vous l'avez vu, non? Lui, là, il était dans main. Vous l'avez vu. Mais là, il est couché. Mais là. Mais là, on peut faire comme ça. Et puis fermer comme ça. Tu vas faire pas. Mais trompe la taille là. On a prié pour une dame. On a prié pour une dame, une jeune fille, à sa délivrance là. Les démons là disent que l'esprit qui était en elle a dit qu'elle a enlevé ses trompes pour mettre devant sa porte.
À quoi c'est fait quoi en France? Ça a dit quoi? C'est trop la à la rentrée de la porte. Donc à chaque fois, eux me marchent dessus pour rentrer. Si quelqu'un vient chez eux, c'est sur sa trompe qu'il marche. Et avant là, avec comment pour être. C'est l'esprit humain là, qui a enlevé la trompe de la fille pour aller mettre devant les portes. Donc dès qu'elle si elle doit prendre des œufs pour moi. Yo, allez, fais ça, fais ça. Vous voyez comment les esprits sont méchants. Et dans la délivrance, elle a tout confessé. Elle allait retirer toute sa trompe là pour mettre à sa place. Au V5. Alléluia. Amen. Regardez Lot. Lot va aussi oppresser les anges. Il a dit pardonner. Les anges, ils ont dit non, nous on ne dort pas chez toi. Hein. Que nous on n'est pas venus pour dormir ici. Hein. Nous on est venus pour dormir dans la rue. Ah! Il dit non, bon, venez, venez. Il y a lavé vos pieds sur ma gueule là-bas. Quand ils ont la LFI, il a dit à sa femme, prépare à manger. Faut préparer à manger là. Fais gâteau là, bien, sois propre. Fais vite, bien chaud là, bien beau. Bien moelleux. Ils ont fait gâteau là, bien. Les anges ont mangé. Quand ils ont mangé ça, regardez. Dieu, faut pas jouer avec Dieu. Quand ils ont mangé, ils étaient bien à l'aise là. Ils ont dit quoi? Ils ont dit l'autre. Ici là, ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes animaux là, vous faites ça. Parce que Dieu nous envoie ici là. Nous on a béni pour lui là. Le pays, ça, on a béni pour lui. Parce que le péché est trop. Je vous ai dit quoi? Faites tout pour épargner à la grande tribulation. Regardez le bienfait que l'autre a fait. Regardez, l'autre avait la crainte de Dieu. Il avait mis sa crainte en Dieu. Et à cause de ce qu'il était rallié à Abraham, voici que la même grâce qui était sur Abraham va se répercuter sur Lot. Et ils vont dire, il faut faire tout pour faire vite avant que le corps va chanter la sortie du village. Parce qu'ils vont être détruits sur ton et comment. Parce que les habitants, là, vraiment, ils sont. Mais quand ils ont dit cela, Dieu lui-même, il est descendu. Parce que comment Dieu a su que le péché était aussi détruit dans ce pays? Maman était. Comment Dieu a fait pour savoir que le péché est trop? C'était trop, puis c'est monté vers lui. Puis lui-même, il est descendu, il va venir voir. Selon vous, qu'est-ce qui a fait ça? Oui, sortaient les hommes, oui, je comprends, c'est ça. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu même là, il dit lui, mais va descendre pour venir voir. Non, il y a quelque chose qui a touché Dieu, lui, mais il va descendre pour venir voir. C'était quoi? C'était quoi? Si Dieu doit descendre ici là, qu'est-ce qui va toucher Dieu qui va venir ici? Ça veut dire que dans le pays de Sodome, l'autre là, il intercédait parce qu'il voyait le péché que les gens commettaient. Donc il disait à Dieu chaque fois que Seigneur, le péché est trop ici, le péché est trop ici, le péché est trop ici. Donc quand il a intercédé là, le Seigneur t'écoute, mais lui-même il va envoyer quelqu'un pour venir voir aussi. Descend pour voir clair dedans. Et puis quand il est venu là, il est venu trouver réellement que les hommes du village là même là, c'est des mauvais dans notre bouche. Les gens même qui cherchent Dieu maintenant pour sortir à lui. Vous avez sorti à les femmes, les animaux. Ils se cogent les pièges là. Ils se cogent les pièges là sur les pour faire ça. Il dit, quand vous avez fait tout ça, maintenant c'est moi-même Dieu. D'abord, il les a frappés dans le bureau. Et il a dit à l'autre, sortez de ce lieu-là. Il dit, allez-y dans les montagnes, dans les plaines. L'autre a dit quoi? L'autre a dit, Seigneur, mais si nous on veut courir le temps qu'on va arriver là-bas, là, vraiment, on ne pourra pas arriver. Donc vraiment, il y a une ville quelque part à Soa. Si tu veux, là, on va partir là-bas. Il dit, ok, allez-y. Et automatiquement, ils sont allés. À cause de l'autre, cette ville-là aussi a été épargnée. À cause de toi, beaucoup d'hommes seront épargnés. Amen. Papa Barnabas est parti évangéliser quelqu'un. Et fini de l'évangéliser, ça fait même pas combien de jours. On s'en veut ramasser par où. Mais s'il mourait là-bas. Et puis s'il mourait là, ça allait jouer sur ta conscience. Parce que toi tu l'as vu et tu n'as pas donné le message. Mais quand tu as donné le message, lui n'a pas écouté. Là, c'est assez riche, c'est fini lui-même. Maintenant, vous l'avez vu. Et voici que. Le Seigneur m'a dit, il faut sortir avec ta femme et tes enfants.
Ils sont en train de sortir pour aller. Il dit ne regardez pas derrière. Je vous assure que beaucoup vont rater l'enlèvement à cause des ornements. À cause de vous d'ailleurs. Créons la génie. À cause des mèches. À cause des pompons. Beaucoup vont rater l'enlèvement. À cause des choses qu'on met dans nos cœurs. Regardez la femme de l'autre. On dit ne regardez pas derrière. Sinon, vous allez devenir autre chose. Il s'en va, là. Comme elle n'a pas pu prendre tous ses bagages, elle en prend derrière elle. Boum, 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 boum. C'est le feu qui descend, on va dire. Elle a fait quoi? Et mon pain quitte là. C'est fini. Elle est devenue statue de sel. Jusqu'à que moi, elle est là. C'est fini. Quelle a trouvé du haut et des colliers. Les choses du monde à cause de ça là, beaucoup de personnes vont rester, ils vont lâcher l'enlèvement et la grande tribulation va les trouver. Faisons attention, alléluia. Allons-y avec le dernier Apocalypse 14, verset 6 à 13. C'est là qu'on va finir. Apocalypse 14, verset 6 à 13. Apocalypse 14, verset 6 à 13. Apocalypse 14, verset 6 à 13. Tout ça. Je vis un autre ange. Écoutez bien. Je vis un autre ange. Qui volait par le milieu du ciel. Qui volait par le milieu du ciel. Qui volait par le milieu du ciel. Ayant un évangile. Éternel. L'ange là il se promenait au milieu de tout le ciel avec un évangile éternel qui disait quoi? Pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu. Vous entendez? À toute langue. À toute langue. À tout peuple. Oui. Et il disait. Il disait quoi? D'une voix forte. Oui. Créez Dieu. Il dit, regardez, l'ange là. Ça c'est le. C'est les trois anges qui ont proclamé le jugement. Bien aimé, le premier ange là, lui quand il est venu pour annoncer l'évangile, comme de la manière on va évangéliser là. Il est venu pour annoncer cet évangile. Il est venu dire, mon frère, donne ta vie à Jésus. On dit, il a parlé à toutes les tribus, à toutes les nations, à tous les pays, à tous les peuples, à toutes les langues. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il n'a pas entendu parler de Jésus. Donc, ce temps là, lui, il est venu proclamer là, et pour Dieu, à toutes les nations, que faites attention. Il dit quoi, craignez. Et donnez-lui gloire. Donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue. Vous l'avez entendu. Bon, moi, c'est. Oh, là, il voit la parole, on rentre bien comme ça. C'est bien. Faut pas s'en partir et poser quelque chose. Vous voyez? Il dit. Craignez Dieu, donnez gloire à Dieu. Bien aimé, ça là, que les temps sont finis. Le jugement de Dieu est à Esther Jaromri. Le Seigneur dit de faire quoi? De le craindre. Voilà aussi, elle n'a pas fait de dire c'est mon maman. Et adorer celui qui a fait le ciel. Adorer celui qui a fait le ciel et la terre. Et la terre. Et la mer. Et la mer. Et les sous-sortes. Attends d'abord. Le Seigneur dit, on n'a qu'à adorer lui qui a créé le ciel. Lui qui a créé la terre. Lui qui a créé la mer et les sous-d'eau. Mais Dieu n'a pas dit on n'a qu'à adorer la terre. Dieu n'a pas dit on n'a qu'à adorer le ciel. Dieu n'a pas dit on a adoré la terre. Dieu n'a pas dit on n'a qu'à adorer l'eau. Dieu a été précis. Il dit adorer celui qui les a créés. On adore celui qui crée. On n'adore pas celui-là mais qui a été créé. On n'adore pas la créature. Mais c'est le créateur on adore. Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. Et c'est à lui qu'on doit l'adoration. Regardez, pendant que les bien-aimés du Bénin. Les bien-aimés du Bénin qui se sont laissés visiter par un soi-disant prophète qui s'appelle Kofi Elie. Hier, j'étais en train de suivre l'une des vidéos
Et puis, je, vous savez ce que ce prophète il a dit. Il y a des personnes qui font les appeler, les indiquer. Est-ce que vous savez que le nom de Jésus là, c'est pas Jésus là, c'est pas son nom. Que Jésus là, c'est pas son nom. Qu'il s'appelle Josué. Qu'au ciel là-bas, là, on ne le connaît pas sur Jésus. Que c'est le nom de Josué. C'est comme ça qu'il a menti à d'autres personnes. Que Jésus là, c'est un nom comme tous les autres noms comme ça. Et c'est. Non. Que on appelle Josué. Comment des imposteurs sont entrés dans l'église? Et voici, si tu ne lis pas ta Bible, ceux-là ils vont te tromper. Ce même Kofi Eli là, voilà. Quand moi j'ai vu ça là, j'ai dit ici, lui là, cet homme là, c'est pas un homme de Dieu. Parce que dès qu'il allait dans lui, il allait faire jugement. Il allait imposer une loi. Que lui, il va renouveler la sainte doctrine. Qu'il y a des choses qui manquent encore. Il va reprendre ça. Ils l'ont suivi dedans. Mais quand ils l'ont suivi, moi j'ai envoyé un message. J'ai envoyé un message. Je lui ai dit, vous avez reçu un esprit de calmement. Sur mon WhatsApp. Un message de Dieu, vous avez reçu un esprit de calmement. Faites très attention. Réveillez à l'arrière. Il ne m'a pas répondu. Mais quand ça s'est passé, là, moi, j'ai ramené le message. Et il m'a répondu maintenant à Oudou. Il m'a dit qu'il a vu. Mais toi, tu ne connais pas. Est-ce que moi, je connais? On ne se connaît pas. Dieu est une fille. Thank you.
Seigneur, ton nom est glorifié, Seigneur, mon Dieu, en ce lieu. Papa, ton nom est magnifié au roi de gloire, Seigneur.
cette parole que nous avons entendue, que nous avons maintenant après la vie. Nous marchons sur cette parole avec aujourd'hui la tribulation que nous pouvons épargner au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors nous allons continuer de prier. On va confier notre cœur dans la foi qui, à ce que le Seigneur lui accorde de sa grâce encore, on attend de remplir de son esprit saint, afin que peut-être toi et puisse nous donner encore la parole. Et le bon avant pour notre monde. Je vais te dire que je suis encore un peu dans la foi pour la vie de ton cœur. Je vais te dire que tu as passé ta parole, Père. Merci Seigneur, nous voulons que tu dises encore, Seigneur, que nous accordes de la grâce, accorde-nous, Seigneur, la beauté, accorde-nous la sécurité, accorde-nous, Seigneur, de savoir vraiment prendre, Seigneur, ta parole, et que, Seigneur, la science de Dieu, tu puisses encore nous accorder. Seigneur, utilise l'œuvre, Seigneur, de ton ministère, Seigneur, fais grâce à Dieu. Alléluia. Alors, donc, on va prendre mon offrande, on va prier dessus, et tu vas la porter. Ainsi tu comprenais soin de lui, mon Dieu soit loué. Ainsi tu comprenais soin de lui, mon Dieu soit loué. Ainsi tu comprenais soin de lui, mon Dieu soit loué. Ainsi tu comprenais soin de lui, mon Dieu soit loué. Seigneur Jésus-Christ, en fait que chacun soit dans ta présence dans le nom du Saint Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais laisser la parole à Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons encore shalom, shalom. En ce jour, on va toujours continuer à la maison, comme je vous l'ai dit, pour ces différentes compagnies que je vous ai parlé. Les différentes compagnies des cas. Il y a des programmations. Il y a des programmations que le Seigneur a révélées. Dans les compagnies, on a donné prier beaucoup pour ça. Alléluia. Peut-être que toi, tu ne vas pas voyager, mais ton parent va voyager. Alléluia. Peut-être que quelqu'un va chercher à venir chez toi ici. Je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà. Que le Seigneur soit avec vous. On va se tenir. À partir de la semaine prochaine, quand ils vont laisser les enfants de primaire et au-delà, j'ai organisé un temps de délivrance pour les enfants. Donc, à partir de la semaine prochaine, ça va commencer. Alléluia, c'est pour les enfants seulement. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est bien de vous. On lève les mains en signe de recevoir pour terminer. Père éternel,
en ce matin. Je te bénis, tu rends la gloire. Je te dis merci car tu es Seigneur, tu es Dieu, tu es bonté, tu es miséricorde. Oui, Seigneur, nous sommes venus de partout et nous sommes venus te prier. Nous sommes venus implorer tes faveurs et tes aides des armées. Nous avons fini, nous t'avons écouté tes paroles. Maintenant qu'il est temps, Seigneur, de se disperser, tes aides des armées, nous nous recommandons tous entre les creux de tes mains. Oui, Seigneur, ouvre la bonne voie à tous et à tout un chacun. De l'endroit où nous sommes quittés jusqu'ici, Seigneur, commence à déployer, Seigneur, tes anges sur toutes ces voies, afin que, Seigneur, nous puissions emprunter toutes ces différentes voies et arriver à destination sain et sauf. Éternel des armées, je prie que, arrivé à destination, que ta parole que nous avons entendue ici, que tu nous as donnée ici, Seigneur, nous puissions la mettre en œuvre. Que nous puissions la mettre en œuvre, la vivre quotidiennement, de faire de sorte à échapper, Seigneur, à la grande tribulation, Père éternel, comme l'a dit ta parole. Alors nous avons besoin à ce que tu continues de nous assister dans tous nos villages où nous serons. Seigneur, sois avec nous et fortifie-nous, bénis-nous et accorde-nous, Seigneur, de savoir vivre en tant que, Seigneur, des enfants dignes de toi, Seigneur. Nous te bénissons encore, nous te rendons la gloire, sans oublier également les personnes encore qui ne sont pas venues. Nous te les recommandons entre les cœurs de tes mains, Seigneur. À ceux qui sont malades, nous t'en supplions de leur accorder, Seigneur, la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Permets que, Seigneur, la séance prochaine, nous puissions encore tous revenir, se retrouver, Seigneur, au lieu de ton rendez-vous éternel. Je te bénis, je te rends la gloire et que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Amen. Amen. Alors on va se dire shalom, shalom. Que Dieu nous bénisse et on sera là. Dimanche prochain. Shalom. Shalom.